Mesdames, Messieurs, le conseil municipal est donc ouvert. Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux, je vous prie de bien vouloir excuser l'absence de Mme Gromersch, indisponible ce jour. Avant d'ouvrir les débats de ce conseil municipal, je tiens à adresser, au nom de la ville de Thionville, tout mon soutien au peuple belge suite au terrible attentat dont il a été la cible. Nous compatissons à la souffrance de nos voisins. Ensemble, nous partageons bien plus qu'une frontière commune. Nous partageons les mêmes idéaux de paix, de partage et de solidarité. Dans d'autres domaines, notre solidarité s'exprime également. Je fais référence ici à la liquidation d'Akers, malheureusement prononcée cet après-midi. La municipalité s'était engagée autant qu'elle le pouvait, en soutenant le projet d'un repreneur potentiel, en proposant d'exonérer de taxes locales pendant 2 ans la société qui aurait repris l'usine en intervenant auprès d'Emmanuel Macron. Nous pensons à ces 167 personnes qui perdent leur emploi et sont plongées dans la fragilité. La municipalité prend acte de cette décision qu'elle regrette. Elle reste attentive et à l'écoute de ses salariés. Si dans le cadre de cette Assemblée, nos opinions diffèrent parfois, sachons nous retrouver sur l'essentiel. Je souhaite d'ailleurs que tout au long de ce Conseil, nous puissions exprimer avec respect et apaisement nos divergences d'opinion. Ce Conseil débute. Je vais donner acte des pouvoirs. Madame Florence Nieff a... Pauline Lapointe, Monsieur Éric Sammartino à Monsieur Pierre Alix, Madame Cathy Stark à Monsieur Daniel Krisnacker, Madame Brigitte Weiss à Monsieur Bertrand Merz, Monsieur Stéphane Mokels à Madame Caroline Hein, Madame Parachini Elisabeth à Monsieur Guy Harrault, Monsieur Clan Grandecki à Monsieur Selmani, Monsieur Demey à Monsieur Atterer et Madame Anne Gromersch à Monsieur Pierre Cuny. Point numéro 1, communication, dont vous avez pris bien sûr connaissance. En ce qui concerne donc le point 1A des procédures de contentieux, extension pour le point 1B d'un contrat d'assurance, point 1C, acceptation d'indemnité de sinistre, le point 1D en ce qui concerne la passation de marché, d'accord cadre et d'avenant dans le cadre de la délégation. Point numéro 2. Approbation du procès verbal de la séance du Conseil municipal du 3 février 2016. Y a-t-il des remarques, des oppositions? Pas d'abstention. Ce point est adopté. Point numéro 3. Délégation accordée pour la signature des actes authentiques en la forme administrative. Madame le maire a le pouvoir, en qualité d'officier public, de recevoir et d'authentifier les actes authentiques dans lesquels la commune est partie à l'acte. Lorsque le maire reçoit et authentifie l'acte, il ne peut pas représenter la collectivité. Ainsi que le prévoit la réglementation, le conseil municipal est invité à désigner moi-même, premier adjoint au maire, et en cas d'empêchement de celui-ci, Madame Pauline Lapointe-Zordan, deuxième adjointe au maire, pour représenter la ville lors de la signature d'un acte authentique dressé en la forme administrative et pour lequel le maire fait fonction de notaire. Y a-t-il des remarques, des oppositions? Pas d'abstention, ce point est adopté. Oh pardon, secrétaire de séance. Le plus jeune, Jean-François Patin. Et moi, c'est parti dans la... Point numéro 4, donc formation des élus locaux en 2015. Vous avez pris connaissance des différentes formations des élus locaux. Y a-t-il des remarques, questionnements? Ce point est adopté. Point numéro 5, passation d'une convention entre la ville et l'amicale du personnel. En accord avec l'amicale de la ville de Thionville, et afin de permettre la réalisation des actions menées envers le personnel municipal, il a été convenu d'adopter pour 2016 les nouvelles modalités figurant dans la convention d'objectifs jointe au rapport, qui est en fait son changement par rapport à l'année dernière.
Le montant de cette subvention s'élève pour 2016 à 479 450 euros. Pas de remarques, pas d'opposition, pas d'abstention. Ce point est adopté. Point numéro 6. Modification du tableau des effectifs, création de postes d'agents saisonniers. Afin de réaliser des travaux d'entretien des équipements collectifs, il est demandé à l'Assemblée délibérante de bien vouloir procéder à la création de 30 postes d'agents non titulaires saisonniers, job d'été, au titre de l'année 2016. L'âge minimum est fixé à 18 ans. Le recrutement se fera par contrat à durée déterminée pour les périodes du 4 juillet au 31 juillet 2016 et du 1er août au 28 août 2016. La rémunération sera basée sur le premier échelon de l'échelle 3 de rémunération. Le comité technique paritaire a été consulté réglementairement le 24 mars 2016. Pas de remarques, pas d'opposition, pas d'abstention. Ce point est donc adopté. Modification du tableau des effectifs. Création de postes d'adjoints d'animation non titulaires saisonniers. Il s'agit de reconduire la délibération adoptée par le Conseil municipal le 7 avril 2015, à savoir la création de postes d'agents d'animation non titulaires saisonniers pour permettre à la maison de quartier de la Côte des Roses de poursuivre ses activités d'animation du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017. Incluant les animations durant les vacances estivales juillet et août, l'accueil collectif de mineurs pendant les vacances scolaires. Compte tenu des besoins recensés, 9 postes sont nécessaires. Le comité technique consulté réglementairement le 24 mars 2016 a émis un avis favorable à cette proposition. Pas de remarques, pas d'opposition, pas d'abstention. Ce point est donc adopté. Point numéro 7. Organisation d'un rassemblement de Montgolfière 2016, Thionville Ballon de Lumière, passation d'une convention avec l'Association des pilotes de Montgolfière de Moselle. Le 1er, 2 et 3 juillet prochains, 5 envols d'environ 30 ballons seront prévus en centre-ville au départ de la place de la Liberté. Pour la bonne organisation de l'événement, une convention d'objectifs et de moyens entre la ville de Thionville et la PIM, donc cette association des pilotes de Montgolfière de Moselle, est proposée. Elle précise les engagements des deux parties, notamment le versement par la ville d'une subvention de 40 000 euros inscrite au budget 2016. Le conseil municipal est appelé à en délibérer. Y a-t-il des remarques ? Oui, monsieur le premier adjoint faisant fonction de maire, merci de me donner la parole. Vous renouez là avec une manifestation qui existait à l'époque de la municipalité de Jean-Marie Demange et que j'avais supprimée. Je veux simplement vous dire pourquoi. C'est une manifestation qui coûtait assez cher, qui coûtait d'ailleurs plus cher à l'époque que ce qu'elle va coûter aujourd'hui et qui avait l'inconvénient d'être totalement soumise aux intempéries, à la météo. Il y avait à l'époque 3 décollages le matin, 3 décollages en fin d'après-midi. Pour les décollages du matin, puisqu'ils avaient lieu très tôt, en général, il n'y avait pas de public. Il restait donc 3 décollages le soir. En général, sur les 3, il y en avait au moins un qui était annulé parce qu'il y avait trop de pluie ou trop de vent, etc. Et donc, finalement, c'est une manifestation qui coûtait très cher pour un spectacle qui, évidemment, est tout à fait agréable à regarder, mais très bref. À partir du moment où les montgolfières sont gonflées, les choses vont très vite. Et donc, c'est une manifestation très coûteuse. Peu de personnes, finalement, pouvaient s'envoler, compte tenu du fait que les nacelles ne permettaient pas d'emmener beaucoup de monde. Et puis, il y avait ces salons réservés aux VIP qui buvaient du champagne et mangeaient des petits fours pendant que les Thionvillois étaient confinés derrière des barrières à regarder. Moi, je ne supportais pas cela. Donc, j'ai supprimé cette manifestation. Vous choisissez de renouer avec elle. Mais écoutez, nous verrons bien. J'espère que la météo vous sera favorable. En tout état de cause, nous aurions préféré que vous consacriez ces sommes pour maintenir l'activité du cinéma La Scala pendant l'été, puisque je crois savoir que le cinéma va fermer ses portes pendant de nombreuses semaines. Pendant 7 semaines précisément. Donc voilà, c'est un choix que vous faites, mais nous ne le partageons pas pour les raisons que je vous ai exposées. Merci, M. Merz. Des remarques ? M. Evgott ? La parole, merci, M. le Premier adjoint, en fonction de maire, puisque
ainsi que vous a appelé notre collègue M. Merz. Plusieurs réponses à vous donner. Je n'attendais pas de réponse, monsieur. Pardon ? Je n'attendais pas forcément de réponse. Je vous ai donné simplement des explications sur les raisons pour lesquelles j'ai supprimé à l'époque cette manifestation. Mais je vous en prie, je vous écoute. Ah, je vous remercie, monsieur, de me donner le droit de parler. C'est très gentil. Je vous remercie. Nonobstant, je répondrai, j'éliminerai, je balayerai l'argument de la semaine de la Scala pour vous dire que vous annoncez cette semaine, en fait, il y a deux semaines de fermeture supplémentaire. Il y avait d'habitude 5 semaines de fermeture, il y a 2 semaines supplémentaires. Et ceci en plein accord avec l'ensemble du personnel et dans le cadre d'un fonctionnement un peu différent de la Scala. Donc ça, on va le mettre de côté. Bon, vous avez joué de malchance, mon cher monsieur. C'est vrai que lorsque vous étiez là, la pluie venait souvent pendant cette manifestation. Moi, j'ai connu cette manifestation à 2 reprises. Nous avions le soleil. Vous avez joué de malchance, c'est vrai. Elle n'a eu lieu qu'une seule fois sous mon mandat. Il a fait beau. Ce que vous dites est faux. D'ailleurs, j'ai volé. Je m'en souviens, j'ai volé. Donc ce que vous dites est faux, mais auparavant, il y a eu effectivement des périodes où la météo n'était pas favorable. Mais pas la première année, pas lorsque j'étais là. Merci, monsieur. Je n'ai fait simplement que reprendre ce que vous disiez. Au-delà, cette manifestation, je vous le rappelle tout de même, a été soutenue par la région aussi, et que la région soutient... Je n'ai plus rien. Il y avait effectivement une première partie qui se passait à Chamblay, une année, et la deuxième partie se passait à Thionville avec beaucoup de monde et de nombreux envols. Donc là, encore une fois, l'argument n'est pas solide. Quant au petit four et au champagne, je sais que ça a été un argument que vous avez souvent utilisé. On a à plusieurs reprises prouvé que pendant votre mandat, les frais de bouche étaient aussi extrêmement élevés. Non, c'est absolument pas faux. Les chiffres sont là pour le montrer. Et que depuis que nous sommes aux affaires, et que depuis, permettez-moi de m'exprimer, vous exprimerez après, M. Merz, et que depuis que nous sommes aux affaires, le budget pour les frais de bouche a considérablement diminué. Je vous remercie. Bon, je suppose que vous avez voté contre. Voilà, voter contre. Donc, ce point est adopté. Donc, la majorité, moins. Donc, l'opposition. Point numéro 8. Passation d'une convention entre la ville et l'association Jaspot. Monsieur Evgott. Merci. C'est une convention, très brièvement, afin de permettre à l'association Jaspot de maintenir la qualité de sa proposition artistique en 2016, il est proposé de lui attribuer les aides financières suivantes. 20 000 euros pour l'organisation du 12e édition de son festival, 2 000 euros pour ses concerts présentés au centre-ville et 1 000 euros pour son fonctionnement. Bon, inutile de dire que c'est une association extrêmement vive, extrêmement dynamique, qui a créé à Thionville un festival de jazz qui a mis un certain temps pour se développer, mais maintenant qui est un événement de jazz de toute la région, et je lui souhaite beaucoup d'avenir et je lui souhaite une grande réussite dans toutes ses actions. Voilà. Il est évident que la ville soutient énormément Jaspot. Je vous remercie. Merci, M. Evgott. Y a-t-il des remarques, des oppositions, abstentions ? Ce point est adopté. Point numéro 9, attribution de subventions aux associations sportives et de jeunesse. Monsieur Reich. Oui, il s'agit d'approuver l'attribution de subventions aux associations sportives et de jeunesse, les crédits étant déjà inscrits au budget 2016. Le montant total s'élève à 19 900 euros, des subventions exceptionnelles mais également des subventions d'activité. Pour le club d'échecs à hauteur de 500 euros pour la participation d'Anicia Thomas au championnat du monde junior. Pour l'Esti, en soutien à Jérôme Bortoluzzi pour le haut niveau, 2000 euros. Le Sporting Club Thionvillois dans le cadre de l'aide à l'organisation d'une compétition fédérale jeune, 2400 euros. La compagnie oblique dans le cadre du soutien au programme Contre-Courant 3, c'est un soutien récurrent, 5000 euros. Et enfin, pour la ludothèque à hauteur de 10 000 euros au titre d'une subvention d'activité. Le conseil municipal est donc appelé à se prononcer en faveur du versement des montants que j'ai indiqués, d'autoriser Madame le député maire ou son représentant à prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération. Oui, des remarques. Oui, merci, Monsieur le Premier adjoint.
Juste pour une simple observation de forme, au conseil municipal du 16 septembre, j'étais intervenu compte tenu du fait que les subventions attribuées aux associations ne figuraient pas sur le site de la ville de Thionville. Donc on m'avait dit que ça allait être fait incessamment. Et lorsque l'on reprend le site de la ville, je l'ai interrogé aujourd'hui, les subventions 2015 déjà n'y figurent toujours pas. Si vous pouviez intervenir dans ce sens, ce serait très bien. Oui, on me dit que c'est tout simplement parce qu'on attendait de publier le compte administratif de 2015 pour pouvoir mettre en ligne en fait les subventions aux associations. D'accord, donc incessamment ce sera fait. Oui. Merci beaucoup. Juste une remarque sur les deux premières subventions. Il s'agit de sport de haut niveau, il s'agit aussi d'une compétence de l'agglomération Port-de-France-Thionville. Est-ce que ces deux associations ont sollicité Port-de-France-Thionville puisqu'il s'agit d'une compétence agglo? Monsieur Reich. L'ESTI a également le soutien de la communauté d'agglomération. C'est une compétence partagée entre la communauté d'agglomération et la ville. Mais la ville a traditionnellement apporté son soutien aux sportifs qui font rayonner la ville de Thionville au niveau international, comme c'est le cas pour Jérôme Bertoluzzi avec le succès qu'on lui connaît. Et on lui souhaite justement d'être qualifié à Rio et de briller, de faire briller, faire rayonner la ville de Thionville. Et l'agglomération ne va intervenir que de façon subsidiaire, c'est-à-dire que si la ville de Thionville donne, l'agglomération pourra donner des subventions dans ce cadre-là. Madame Marel-Deca, vous vouliez peut-être intervenir pour la ludothèque? Un mot sur la ludothèque? Non. Bon. C'est un point qu'on a évoqué lors de la commission. Vous pouvez parler dans le micro. Dans le micro. Voilà. Donc la ludothèque est un point que nous avions évoqué lors de la commission et qui avait permis de saluer à l'unanimité le travail qui a été réalisé sur le terrain et qui est encore réalisé par l'ensemble des bénévoles de la ludothèque qui font un travail formidable tant auprès des enfants dans les écoles ainsi que dans les différentes structures de la ville de Thionville. Merci. Y a-t-il des oppositions? Pas d'abstention. Ce point est adopté. Dénomination du troisième lieu, Monsieur Evgott. Merci, Monsieur le Premier adjoint. Dénomination du troisième lieu. Avec son ouverture programmée à la rentrée prochaine, il importe maintenant de procéder à la dénomination de ce nouvel équipement culturel connu au cours de sa construction sous le concept d'un troisième lieu ou au travers d'un concept d'un troisième lieu. Il est proposé de dénommer cet ensemble bâti puzzle. Pour de nombreuses raisons, le conseil municipal est appelé à approuver et adopter la dénomination puzzle. Y a-t-il des remarques? Ah. Merci. Alors. Ah, ça ne veut plus, hein. Voilà, allons-y. Voilà, je vous remercie. À ce troisième lieu. Alors, on a déjà beaucoup discuté du troisième lieu et je pense qu'il serait de bon ton d'éviter les polémiques ce soir. Et permettez-moi d'introduire un peu de littérature dans nos débats. Lorsque vous nous avez annoncé ce nouveau nom, la première référence culturelle qui vient à l'esprit, enfin j'imagine pour chacun, c'est les tontons flingueurs. Hein. On s'est tous dit que vous avez éparpillé le troisième lieu façon puzzle. Mais j'ai une autre référence littéraire qui m'est venue à l'esprit, et je voudrais, si vous le permettez, vous dire quelques mots à ce sujet. J'ai pensé à La vie, mode d'emploi de Georges Perec, qui est un roman que Georges Perec a conçu comme un puzzle. Et d'ailleurs, dans la préface, dans le préambule de son roman, Georges Perec distingue celui qui joue avec le puzzle et qu'il appelle le poseur et celui qui a conçu le puzzle et qu'il appelle le faiseur. Et il conclut son préambule de la façon suivante, c'est très court, permettez-moi de le lire, ça donnera un peu de tenue à nos débats. On en déduira quelque chose qui est sans doute l'ultime vérité du puzzle. En dépit des apparences, ce n'est pas un jeu solitaire. Chaque geste que fait le poseur de puzzle, le faiseur de puzzle l'a fait avant lui. Chaque pièce qu'il prend et reprend, qu'il examine, qu'il caresse, chaque combinaison qu'il essaye et essaye encore, chaque tâtonnement, chaque intuition, chaque espoir, chaque découragement ont été décidés, calculés, étudiés par l'autre. Alors voyez-vous, puisque nous sommes les faiseurs et que vous n'êtes que les poseurs, souffrez que nous continuions à appeler le puzzle le troisième lieu. C'est bien votre droit. Des remarques?
j'ai vraiment des problèmes avec ce truc. Voilà, c'est bon. Faut éteindre. Bon. Vas-y, appuie, Jackie. Appuie. Voilà, merci. Merci. Souffrez que je vous apporte quelques réponses tout de même, mais vous avez tout à fait raison, nous n'allons plus polémiquer. Je vais tout de même aussi, moi, vous lire tout de même ce passage, bien entendu, puisque vous l'avez lu. Je crois qu'il faut en faire profiter tout le monde. Non, mais tu as déjà vu ça, en pleine paix, il chante, et puis crac, un bourre-pif. Il est complètement fou, ce mec. Mais moi, les dingues, je les soigne. Je vais lui faire une ordonnance et une sévère. Je vais lui montrer qui c'est Raoul, aux quatre coins de Paris, qu'on va le retrouver, éparpillé par petits bouts, façon puzzle. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus, je dynamite, je disperse, je ventile. Voilà. Donc voilà un petit peu ma réponse, effectivement, à votre question. Et puisque c'est une imbrication d'univers, au travers d'une offre diversifiée, et parce que c'est un lieu pluriel dans sa forme et dans son fond, construit autour d'un axe fort, le numérique, nous avons décidé qu'il valait mieux le conjuguer au singulier. C'est pour ça que nous l'avons appelé puzzle. Voilà ce que j'ai à dire sur le puzzle. Je vous remercie. Bon, y a-t-il, puisque le débat sera court, presque, pas consensuel, mais presque de bonne tenue, y a-t-il des oppositions? Ah, quand même, ça nous aurait déçu. Y a-t-il des abstentions? Donc ce point est adopté. Donc le nouveau nom sera donc, là on dit puzzle? Puzzle. Puzzle. On peut le dire de toutes les manières, c'est d'accord. Ça l'avantage. D'accord, voilà, et ça reprend bien. De toute façon, pour revenir sur le troisième lieu, c'était quand même aussi un nom générique, au sens de troisième lieu, voilà. Et il semble peut-être utile de le spécifier avec le mot PALS, voilà. Non, c'est... Oui, bien sûr. Vous avez parfaitement raison. Le troisième lieu, ça n'était pas le nom, c'est un concept, le troisième lieu. Voilà. Ce n'est pas nous qui l'avons inventé, c'est un concept qui a été élaboré par des urbanistes, sociologues, etc. Et donc, après, il était question de lui donner un nom. Par exemple, on aurait pu imaginer, puisqu'il est situé place Malraux, de l'appeler d'ailleurs André Malraux, hein, c'était tout simple. Mais supprimer l'appellation troisième lieu, c'est supprimer le concept. Donc en fait, nous n'aurons pas un troisième lieu. Nous n'aurons pas ce qui était prévu, qui est ce concept innovant, qui associe dans un même lieu, je ne vais pas vous refaire tout le débat, mais enfin, il ne s'agit pas que de changer le nom. Ce que vous changez, en réalité, c'est le projet, c'est le concept. Non. Et finalement, vous allez priver Thionville d'un projet qui avait reçu, je le rappelle, le prix d'excellence au concours national des villes pour l'innovation culturelle. Donc, on va passer au point suivant, parce que je crois qu'on ne va pas repartir sur les longs débats qu'il y a eu. Donc, ce point donc, est adopté. Point suivant, donc, élargissement de la consultation pour l'exploitation du bar du puzzle au bar du théâtre. Monsieur Evgott. Voilà. Alors, terminant sur ce puzzle, un point important, car... il s'agit d'élargir de la consultation pour l'exploitation du bar de puzzle au bar du théâtre. Notez bien que s'il y a un bar ou une petite restauration, c'est qu'il y aura un fonctionnement dans la journée et un fonctionnement le soir aussi. Donc nous sommes tout à fait, effectivement, encore là, la preuve que nous sommes là dans le bon concept du troisième lieu tel qu'il a été défini et que nous suivrons à la lettre. La preuve en est. Mais il a fallu, par délibération du 16 octobre 2014, le conseil municipal avait décidé de lancer une consultation en vue de la conclusion d'une convention d'occupation du domaine public portant sur l'exploitation du bar et de la petite restauration du puzzle. Je ne vous donne pas tous les détails, tout est dans le rapport. Il est proposé d'une part d'ajouter à cette consultation un second lot concernant le bar du théâtre et d'autre part, de fixer le montant des loyers que nous avons volontairement choisi extrêmement bas. Il n'est pas question de demander à une jeune personne qui s'installe, par exemple, ou même quelqu'un qui a un peu d'expérience, de
de payer un loyer très élevé. Voilà. Il faut qu'il y ait tout de même une certaine carotte, bien sûr, à la demande, et on a choisi la carotte du loyer le moins élevé possible pour ne pas handicaper dès le départ un chiffre d'affaires. Et puis ces loyers, à nous de modifier ces loyers qui seront réactualisés chaque année en fonction de l'indice INSEE du coût de la construction et aussi qui seront modifiés au-delà du délai de contrat qui sera fixé avec les différents restaurateurs. Donc j'insiste encore une fois, c'est un élément important de vie de ce lieu, de ce troisième lieu et donc du puzzle durant la journée, mais le soir aussi, comme le concept le définit. C'est un peu une réponse à votre intervention de tout à l'heure. Je vous remercie. Des remarques ? Pas d'opposition ? Pas d'abstention ? Ce point est adopté. Point numéro 12. Garantie d'emprunt Batigère Sarel pour la construction neuve de 52 logements, 6 chemin du Colombier. Monsieur Schreiber. Alors, dans le cadre d'un projet de construction de 52 logements, 6 chemin du Colombier à Batigère Sarel, sollicite la ville de Thionville pour garantir à hauteur de 25% un contrat d'un prêt d'un montant global de 3 927 000 euros. Je regrette franchement que Mme Vest n'est pas présente ce soir, parce qu'elle était présente le jour de la pose de la première pierre, et sa déclaration, qui a été d'ailleurs rapportée par la presse, est la suivante. Pour être précis, la présence de Batigère au Colombier n'aurait pas été possible si l'ancienne municipalité n'avait pas encouragé ce processus de mixité sociale. Ça vous revient. Ce qui avait été gravé dans le marbre à l'époque. Une part imposée de 10% de logements sociaux pour tout nouveau programme neuf n'a pas été repris par l'équipe de Anne Gromersch. J'ai apporté deux précisions. La première, j'ai l'impression que Mme Vest ne connaissait pas son PLU précédent et ne connaît pas le PLU aujourd'hui. Et pourquoi je dis ça? Le PLU précédent que vous avez approuvé juste avant l'échéance électorale, avant l'échéance de votre mandat, imposait 20% et non pas 10%. Après, on nous accuse d'avoir supprimé les 20% sur la globalité du territoire, ce qui est totalement, totalement faux. Nous l'avons supprimé pour 3 opérations. Je les cite. Alexandre Dreux, la casemate Grisberg et la troisième, Moulin-Nouvière. C'est les seuls secteurs sur lesquels nous avons supprimé cette obligation. Alors pourquoi la caserne Grisbeck? Tout simplement parce que, en fait, il y avait l'équilibre du projet qui était en jeu, donc il fallait qu'on le supprime. Mais par contre, nous n'avons pas renoncé à faire du logement social en hypercentre. Preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, Rune Villard, France Télécom, nous allons faire du logement social et de l'accession sociale. Alexandre Dreux, on travaille sur un projet de résidence senior. Mais un projet de résidence senior accessible à des revenus moyens. Pas comme la résidence senior qui a été fait chemin des coteaux. Donc on pense que la mixité sociale de ce côté-là est assurée dans ce secteur. Moulin-Nouvière, dans lequel il était prévu 80 logements de résidence senior, encore une fois accessible à tous. Et je pense que là aussi cette opération répondra à les prescriptions que vous aviez imposées et que nous n'avons pas supprimées. Par contre, nous avons quand même fait d'autres opérations sur lesquelles il n'y a non pas eu 20% de logements sociaux, mais il y en a eu 100%. Et je peux vous les citer. Par exemple, au bout de la terrasse, il y a 100% de logements sociaux. Voilà ce que j'avais à dire. Je me rappelle aussi, et je voudrais là aussi rectifier un peu ce qui a été dit, notamment lors d'une réunion à la communauté d'Aglo, où en fait Mme Vess, elle a voté contre le nouveau plan masse de la communauté d'Aglo, en ayant comme explication de vote, disant « je vote contre parce qu'il n'y a pas de logements sociaux
à l'intérieur de ce nouveau plan masse. Ce qui est totalement, totalement faux. Le programme, c'est 70 logements individuels, accession à la propriété, c'est 50 collectifs, accession à la propriété, c'est 75 logements sociaux, ce qui représente à peu près 50% de l'opération. Nous ne sommes pas à 20%. Et je tenais absolument ce soir à faire ce rectificatif, parce qu'en plus, c'est véhiculé sur les réseaux sociaux, les 10% sont véhiculés sur les réseaux sociaux, ce que je ne peux pas accepter. Donc, Monsieur Pierre Cuny, j'en ai fini. Oui, merci, Monsieur Schreiber. Merci. Monsieur Merz. Oui, Monsieur Schreiber, vous avez pris la détestable habitude de mettre en cause des personnes absentes. Vous le faites... C'est un dossier que j'ai préparé. Non, non, mais Madame Weiss n'est pas là. Vous la prenez à partie personnellement. Elle n'est pas là pour se défendre. Vous l'avez fait pour moi-même, notamment au conseil municipal du 16 septembre. Et je me souviens très bien de cette date. Donc je trouve que c'est assez désagréable. Et vous auriez pu dire la même chose sans prendre à partie directement Madame Weiss. Pour le reste, j'observe que vous vous sentez obligé de vous justifier. Sans doute que votre municipalité croit nécessaire de montrer qu'elle n'est pas hostile au logement social. Ben écoutez, c'est très bien, nous en prenons acte. C'est vrai que ça n'était pas le cas de la municipalité de Mange, à l'époque où vous étiez directeur général des services, où nous avons beaucoup bataillé à l'époque, lorsque nous étions dans l'opposition, pour que cette municipalité accepte enfin de faire du logement social à Thionville. Si cette municipalité, celle de Mme Gromerche, veut bien faire du logement social, ben écoutez, c'est très bien, et nous approuvons. Cela dit, il n'empêche que, vous l'avez reconnu vous-même, il y avait trois opérations sur lesquelles il était prévu 20% de logements sociaux, vous avez retiré cette obligation, vous nous expliquez que ça n'était pas possible. Moi, le promoteur qui conduisait, par exemple, le projet de la casemate Grisberg, projet qui d'ailleurs est totalement à l'arrêt, hein, j'en fais le constat comme tout le monde, nous disait que c'était possible, et à vous, il aurait dit le contraire. Mais écoutez, je ne sais pas. En tous les cas, très bien, si vous faites du logement social, mais écoutez, bravo, on va regarder, on va suivre ça de près. Hein Alors, M. Schreiber, et puis M. Haraud par la suite. Vas-y, appuie. Appuie, Roger. J'ai appuyé, mais vous n'avez pas éteint. Si. Bon, ça y est, j'ai appuyé. Je ne voudrais pas polémiquer plus longtemps, mais la caserne Grisbeck, premièrement, l'acte va être signé le 14 avril, donc les travaux vont démarrer deux jours après. L'opération, il est vrai, quand nous l'avons reprise, était financièrement un peu plus délicate, tout simplement parce que nous n'avons pas abondé les 450 000 euros que vous aviez injectés dans l'aménagement de la rue des Jardins. C'est vrai que ça mettait en difficulté le projet, mais malgré tout, voilà, la commune a économisé 450 000 euros. Juste un chiffre. Deux. 2008-2013, vous avez fait 286 logements sociaux. Et le tableau est là. J'avais déjà dit à Mme Weiss de venir me voir. Je lui montrerai. 2014-2016, en deux ans, nous avons fait 545 logements sociaux. C'est sûr. Vous allez nous faire croire que ces 500 logements... Allez-y. Vous allez nous faire croire que ces 500 logements sociaux qui viennent de sortir de terre, ils ont été décidés et réalisés sous votre mandat, vous plaisantez. C'est la réalisation des projets que nous avons engagés sous notre mandat et qui se sont terminés et qui ont été livrés sous le vôtre. Donc s'il vous plaît, un peu de pudeur quand même, ne vous attribuez pas des mérites qui ne vous reviennent pas. Mais bien sûr. Mais attendez, à l'époque de M. Demange, il y avait peu de programmes de logements sociaux qui ont été engagés. Il y en a un qui a été engagé, c'est rue de la Pomperie. 352. Rue de la Pomperie. 352. Non, mais attendez, bon. Je vous en prie pour le respect et des débats. Quand j'ai inauguré les logements sociaux rue de la Pomperie, j'ai bien dit qu'ils avaient été engagés à l'époque de M. Demange. Dans mon souvenir, c'est les seuls. Bon. Mais là, vous vous attribuez des logements sociaux pour lesquels vous n'avez aucune responsabilité, parce qu'entre le moment où on dessine un programme de logement social et le moment où on va couper le ruban pour l'inaugurer, il se passe des années, vous le savez très bien. Alors s'il vous plaît, M. Schreiber, ne nous la faites pas, hein, vraiment. Monsieur Haraud. Oui, simplement pour redire, dans le cadre de la discussion qui est la nôtre là en ce moment, c'est quand on parle d'abord, nous, on a envie de parler de mixité, enfin en tout cas moi, j'ai envie de parler de mixité sociale, de logements sociaux, qu'on en fasse tous. Quand vous dites, monsieur Schreiber, 100% de logements sociaux rue de la Perdrix, c'est pas de la mixité sociale. Ou je sais plus, j'ai entendu ça comme ça, mais. Oui, enfin, bon, peu importe, mais ce que je veux dire, c'est qu'il est question de mixité sociale plus que, enfin, et pas seulement de logements sociaux. Donc je pense qu'on est tous intéressés, enfin, je l'espère, en tout cas, et moi, je suis intéressé par le fait de parler de mixité sociale
et de ne pas créer ou faire fonctionner des choses qui ressembleraient plus à des ghettos. Donc, c'est de ça dont il est question. Et quand on parle de 10%, de 20%, c'est d'abord quelle mixité sociale réelle il y a dans notre territoire et comment on a envie de mixité sociale dans notre ville. C'est de ça dont moi j'ai envie de parler. Voilà. Après, que vous fassiez des logements sociaux, on vous en félicite, et que vous continuiez des choses qui étaient déjà démarrées, c'est très bien. Mais pour autant, je sais que vous êtes actif dans la matière, mais pour autant, j'ai envie de parler de mixité, quoi. Voilà, merci. Là, je partage 100% votre avis. Tu peux appuyer, Roger. Quand on parle de la terrasse, où il y a 100% de logements sociaux, il y a 100% de logements sociaux, tout simplement, parce qu'en plus, cette opération se met dans un quartier complètement résidentiel, où il n'y en avait pas du tout auparavant. Donc, on est vraiment dans la définition de la mixité sociale. Monsieur Vogt. Ça marche, oui. Monsieur Haro, simplement, je voudrais qu'on cesse de parler de ghetto sans savoir ce que c'est. D'un ghetto, on avait droit de vie et de mort si on sortait de ce quartier. Alors je crois qu'il faut arrêter d'utiliser des termes à tort et à travers dans notre parler en ignorant la signification de ce mot. Ghetto, c'était droit de vie et de mort si on sortait. Et moi, je trouve qu'on utilise à tort ce terme de ghetto. Mais il y a plein d'expressions dans la langue française, qui peuvent exprimer ce que vous voulez dire. Et je crois qu'il faut conserver à ce terme toute la gravité qu'il avait. Il y a eu trop de morts attachées au terme de ghetto pour parler de ghetto simplement lorsqu'il y a un communautarisme ou qu'il s'agit simplement d'une concentration de population dans un quartier. Voilà. Il y a des termes qui se doivent... Moi, ça me heurte. Voilà, je vous le dis. J'ai le droit. Bon, je crois que... Voilà, ce point, pour terminer ce point, effectivement, donc je crois qu'il est clair que mixité sociale ne veut pas dire obligatoirement imposer un quota de 20% dans chaque immeuble, mais c'est effectivement... Et nous travaillons dans le cadre du protocole de préfiguration de l'ANRU, tout à fait dans ce cadre-là. C'est les quartiers, c'est pas au niveau des bâtiments. Je crois, et vous nous ferez grâce, de penser que notre politique en matière de logement social est adaptée, comme la vôtre a été à un moment donné adaptée, avec certainement des réalisations beaucoup plus importantes depuis un ou deux ans. Voilà, je mets et je close ce débat. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Ce point est adopté. Point numéro 13. Examen des comptes administratifs et de gestion de l'exercice 2015. Monsieur Louis. Alors, vous avez affiché sur l'écran le compte administratif, enfin les grandes rubriques du compte administratif. Ah bon, non, ils ne sont pas affichés. Le slide suivant, s'il vous plaît. Les grandes rubriques du compte administratif 2015 et en regard, le compte administratif 2014. Ces chiffres sont comparables. Ils comportent la même chose, puisque en 2015, au 1er janvier 2015, on avait eu la compétence déchets transférée à la communauté d'agglomération, mais la ville a continué à percevoir la TEOM et l'a reversée à la communauté d'aglo. Donc on trouve la TEOM dans les recettes et dans les dépenses, moyennant quoi les chiffres sont parfaitement comparables. Vous voyez que les recettes réelles ont légèrement augmenté. On va voir le détail sur des diapos ultérieurs. Et les dépenses réelles ont diminué d'environ 1 800 000 euros entre 2014 et 2015. Là aussi, on verra les grands postes qui ont permis d'arriver à ces économies de dépenses. Ce qui procure donc un solde de fonctionnement de 6 900 000 en 2015, sur le CA 2015, à comparer aux 4 500 000 du CA 2014. Donc là aussi, une amélioration. On a remis en dessous, sur la dernière ligne, le solde en déduisant les ventes qui avaient été effectuées. Et on est à ce moment-là à 4 918 000 en 2015 et 3 628 000 en 2014. Donc vous voyez l'amélioration de l'excédent de fonctionnement qui était arrivé à une valeur très basse en 2014 et qui repart à la hausse pour atteindre les 7,9 millions que vous avez vus sur le slide précédent.
Excusez-moi. Donc là, le détail de la présentation habituelle de la section de fonctionnement, vous retrouvez les mêmes chiffres de recettes et de dépenses. L'excédent de 2014 qui est reporté en recettes en 2015, et puis les mouvements d'ordre, ça correspond aux travaux en régie qui sont effectués. Alors on les trouve à la fois en recettes et en dépenses, on ne sait pas les isoler par rapport aux amortissements. Donc un total de 75 millions de recettes comparé aux 68 millions de dépenses, d'où l'excédent de fonctionnement que l'on retrouve. Alors, si l'on détaille la section de fonctionnement, les charges de personnel passent de 35 604 à 34 149. Bon, cette baisse-là comporte également les salaires de du personnel des déchets qui a été transféré. Mais si vous voulez, il ne faut pas regarder, il est difficile de comparer chaque ligne en 2014-2015 et il faut reprendre le chiffre global puisque, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on trouve l'ATEOM, vous la voyez tout en bas, alors que dans la colonne de gauche en 2014, eh bien, elle était répartie dans les différentes rubriques. Donc vous retrouvez différence, l'économie, la baisse des dépenses d'1,8 million entre 2014 et 2015. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous allez voir dans quelle rubrique ces économies ont été faites. Donc, avec les mêmes couleurs que le tableau précédent, la répartition des dépenses de fonctionnement, les charges de personnel qui représentent toujours 54% des dépenses totales, des dépenses réelles de fonctionnement. Bon, les charges à caractère général, gestion courante, c'est les grands postes de dépenses. La même répartition, mais par grandes rubriques, hein, services généraux, les services urbains, le social, sport et jeunesse, etc. Alors, détaillons le 1,8 million d'économies. Donc, en excluant le transfert des salaires des agents des déchets, eh bien, les charges de personnel ont été contenues. C'est-à-dire que le GVT a entraîné une hausse des dépenses salariales, mais les économies réalisées dans ce domaine-là ont permis d'avoir le même chiffre pour les charges de personnel en 2015 qu'en 2014. Le plus gros poste d'économie réside dans les charges à caractère général, avec une diminution de 434 000 euros dans l'entretien des terrains et des bâtiments, 323 000 euros dans l'achat de prestations. Alors, qu'est-ce que c'est les prestations? On trouve les spectacles, par exemple, mais c'est tout ce qui est acheté à l'extérieur. 190 000 euros dans les locations mobilières. Alors, dans cette rubrique-là, on va trouver les photocopieurs, les imprimantes, en fait, tout le matériel que nous n'achetons pas, mais qui est loué. Et enfin, 108 000 euros de baisse des frais de réception et de mission. Et donc, vous avez là la traduction de ce que nous vous disions dans les réunions précédentes. Il y a bien une baisse des frais de réception et de mission, près de 50%. Baisse des charges de gestion courante, donc de 420 000 euros. Et c'est essentiellement... alors, c'est des baisses des subventions aux associations, mais qui ont été évoquées dans les conseils municipaux précédents. Et puis une baisse des charges financières, donc ça c'est inhérent au taux d'intérêt qui sont très bas, puisqu'une grande partie, une bonne partie des emprunts sont à taux variable, et donc on profite en ce moment des taux exceptionnellement bas. Ensuite, on revient sur le même tableau que tout à l'heure, pour détailler maintenant les recettes de fonctionnement. Donc le poste le plus important reste les impôts et taxes. Alors ce poste-là augmente parce que nous avons une modification des foyers qui sont imposables à la taxe des habitations, et donc il y a davantage de foyers qui en 2015
ont payé cette taxe d'habitation. Et puis, on a également des droits de mutation qui ont permis à ce poste-là d'augmenter de près de 600 000 euros. Les dotations et participations qui baissent d'un million. Excusez-moi encore. Les produits exceptionnels et financiers, ce sont les cessions que vous voyez dans cette rubrique-là. Et vous avez vu dans une diapo précédente tout à l'heure que le montant des cessions avait augmenté entre 2014 et 2015. Et puis, les autres produits de gestion courante qui restent pratiquement au même niveau, c'est les locations de salles, les appartements que nous louons, etc. Et enfin, la dernière rubrique, les atténuations de charges, ça correspond au remboursement des caisses d'assurance de la sécurité sociale lorsqu'il y a une absence pour maladie ou accident du travail. Donc, une représentation en camembert de ce que vous venez de voir avec les mêmes couleurs. Et comme je vous le disais juste avant, on constate donc que les impôts et taxes constituent la grosse partie des ressources, des recettes de fonctionnement. Donc, quels sont les grands postes ? Le slide suivant, merci. Les grands postes de variation, l'augmentation du produit fiscal. J'ai expliqué pourquoi juste avant, un nombre de foyers assujettis et droits de mutation. Les droits de stationnement, qui en 2015 baisse de 43 000 euros par rapport à 2014. 2014, nous étions qu'à 6 mois de gratuité des parkings. Et donc, si on regarde 2015 par rapport à 2013, pour avoir à chaque fois une année complète, la baisse des recettes de stationnement est de 285 000 euros et non pas de 500 000 comme on l'a trop entendu. Les dotations et participations qui diminue de 1 080 000. Dans cette rubrique-là, il y a la baisse de DGF qu'on a abondamment également abordée dans le passé, qui est d'1,3 million, mais des participations de la CAF qui ont beaucoup augmenté et qui viennent compenser en partie cette baisse des dotations de l'État. Et enfin, les cessions qui se sont élevées à près de 2 millions d'euros, contre 869 000 en 2014. Et pour mémoire, on a rappelé le montant de cession de 2013 qui était de 347 000 euros. Donc, le résultat de cette section d'investissement, donc vous voyez le montant des travaux qui ont été effectués en 2015. Une diapo suivante vous détaille les grandes rubriques de travaux sur ces 16 millions. En 6 rubriques, on représente 12 millions de travaux et vous constaterez que c'est la poursuite des travaux qui étaient déjà engagés. Le remboursement de la dette qui était du capital de la dette qui était de 8 372 000 euros. En face, nous avons contracté un emprunt de 7,5 millions. Les subventions et dotations ont été de près de 9 millions en 2015. Donc, donc le report de l'excédent 2014 et du déficit de la section d'investissement, plus les mouvements d'ordre, ceci nous donne un total de 29 millions 4 en recettes et 28 millions 100 en dépenses. Donc, un résultat de l'exercice 2015 de la section d'investissement de près d'1,3 million d'euros. Lorsqu'on ajoute les restes à réaliser à la fois en dépenses et en recettes, on arrive à un besoin de financement de cette section d'investissement de 4 841 000 euros. Donc vous avez sur le camembert la représentation des dépenses réelles de fonctionnement. Le slide suivant vous donne le détail des dépenses d'investissement, donc avec les dépenses d'équipement brut qui sont passées, on voit peut-être pas bien les chiffres, de 13,8 millions à 16 millions en 2015, 16 millions vous l'avez vu sur la diapo précédente, avec les annonces, assertions, logiciels qui sont quasiment stables, les acquisitions, donc ça correspond à des achats de terrain, des échanges de terrain, c'est un poste qui représente 335 000 euros ça, des achats de livres et de CD pour puzzle 150 000 euros, et des achats de mobilier, de livres d'école,
142 000 euros. Je vous ai cité les postes les plus importants de cette rubrique-là. Les subventions d'équipement versées, donc les travaux qu'on retrouve, hein, les vrais travaux, une fois déduits les deux rubriques précédentes, les subventions d'équipement qui ont été versées, qui sont un peu en baisse par rapport à 2014, le remboursement de capital de la dette, hein, de 8,2 millions en 2014, 8,372 millions en 2015, et c'est tout pour ces dépenses, donc un total de 24,4 millions, comparé aux 22,6 millions de dépenses d'investissement en 2014. Donc le détail des dépenses d'investissement, c'est les six rubriques que je vous mentionnais juste avant, sur ces 16 millions, quand vous additionnez le projet urbain de la Côte des Roses, la fin des travaux de puzzle, les travaux de voirie d'éclairage et de signalisation, la réhabilitation de l'UVT et les travaux entrepris 5 impasses des anciens au fourneau pour pouvoir accueillir les associations, la renaturation des berges du Vemrange et Metsange, et enfin l'éclairage public. Bon. Les recettes d'investissement, donc qui sont alors les emprunts réalisés. En 2014, les emprunts étaient de 12 250 000 euros. Et en 2015, vous l'avez vu tout à l'heure, emprunt 7 500 000 euros. L'excédent de fonctionnement capitalisé était de 3 320 000 euros. En 2014, 6 927 000 en 2015. Bon, la taxe locale d'aménagement, la taxe locale d'équipement et la taxe d'aménagement qui a un petit peu baissé, les subventions reçues, qui est un poste qui a bien augmenté, le FCTVA en baisse, bon, le montant des travaux, on récupère le FCTVA avec un an de retard, et donc en 2015, on a récupéré le FCTVA des travaux qui avaient été effectués auparavant. Voilà pour... Alors, dans les autres recettes, c'est un poste nettement en augmentation. Ça correspond à, notamment, la participation des promoteurs aux travaux. Lorsque, dans les négociations avec le promoteur, on demande qu'il participe notamment aux travaux de voirie, eh bien, les sommes recueillies viennent dans cette rubrique-là. Donc voilà une représentation en camembert de cette section d'investissement et le résultat de la section d'investissement, mais vous l'avez vu tout à l'heure, qui fait apparaître tout en bas un besoin de financement de 4 841 134 euros. Alors ceci, bon, ça figure un petit peu plus loin dans l'ordre du jour. Donc voilà l'affectation du résultat. L'excédent de fonctionnement de 7 012 000 euros, vous l'avez vu. Le résultat cumulé de l'investissement avant le solde des restes à réaliser, 1 293 000 euros, moins le solde des restes à réaliser qui est négatif. Il y a plus de dépenses que de recettes, donc moins les 6 134. Ceci donne un résultat pour l'exercice 2015, un résultat positif de 2 171 618 euros. Et 1 centime. Ce tableau, donc, c'est l'affectation du résultat qui est abordé un peu plus loin. Mais bon, on repart du résultat de fonctionnement. L'affectation de 4,8 millions pour couvrir, additionner à l'excédent d'investissement le solde à réaliser de 6 134 000. Et il reste donc bien le compte 002. Un résultat de 2 171 618. Donc ceci vous montre l'évolution de la dette. La baisse est certes modeste en 2015, mais on a quand même diminué l'endettement de 800 000 euros à peu près, 8,3 millions de capital de la dette remboursé, 7,5 millions d'emprunts contractés. Ça fait donc 800 000 euros de baisse de l'endettement. Donc un autre tableau pour vous montrer les ratios de la ville. Les dépenses réelles de fonctionnement qui ont un petit peu baissé. Donc les chiffres qui sont sur ce tableau sont en euros par habitant. Donc les dépenses réelles de fonctionnement ramenées à l'habitant ont un petit peu baissé. On est passé de 1516 à 1473.
Et à titre indicatif, les ratios nationaux des villes de la même strate sont à 1295 euros. Bon, le produit des impositions directes, je ne sais pas si c'est utile de lister tous les chiffres. La DGF par population, hein, c'est quand même une indication intéressante. 244,83 € en 2014. 212,19 € en 2015. Vous voyez la traduction de la baisse de DGF. Et le ratio national est de 284 €. Bon, juste au-dessus, vous avez l'encours de dette par habitant qui est descendu de 1890 à 1852 €, et toujours la référence nationale bien en dessous de ce chiffre-là, et qui montre le chemin que nous avons encore à parcourir. Alors, la dernière ligne est aussi... Non, juste le slide, merci. La dernière ligne est aussi intéressante. Bon, les banquiers, généralement, n'aiment pas que le ratio de la dette sur les recettes réelles de fonctionnement dépasse 100%. Or là, on était à 114 en 2014, on est à 112% en 2015, et donc là aussi, il est absolument indispensable de baisser, mais pas seulement d'arriver à 100%. Hein, il s'agit de continuer nos efforts. Vous avez la moyenne nationale qui est de 72,7%. Si vous voulez bien, je vous présente les comptes administratifs de l'eau et du CFU, et puis les votes seront faits compte par compte, mais vous pourrez poser les questions sur l'ensemble de ces trois comptes administratifs. En ce qui concerne l'eau, donc la section de fonctionnement fait apparaître un excédent qui est relativement stable entre 2014 et 2015, et en légère augmentation par rapport à 2013. La représentation de la section d'investissement en camembert, vous avez donc le remboursement de capital de la dette de 1,5 million en 2015 et les dépenses d'équipement brut qui étaient de 2 millions. En face de cela, les recettes réelles d'investissement sont constituées par l'excédent de fonctionnement capitalisé, 2,2 millions, et plus modestement des subventions et participations. Ce qui donne un résultat du compte administratif de l'eau que vous avez devant les yeux. Donc on repart de l'excédent de fonctionnement de 2 772 000, moins le résultat cumulé d'investissement, qui, rappelez-vous, était de 1 742 000, plus le résultat, mais qui est négatif, moins le solde à réaliser 2015. Ceci donc conduit à un résultat très bon de 604 973 €. À noter que le service de l'eau s'est désendetté en 2015 de 1,5 million et vient de passer sous la barre des 20 millions d'euros. Hein, l'endettement du service de l'eau était très important, mais consécutif à des travaux importants réalisés dans le passé. Hein, ce n'est pas anormal. Mais par contre, le compte administratif est très bon et permet de rembourser le capital de la dette. Et donc a même permis en 2015 d'effectuer les travaux sans avoir recours à l'emprunt. Le centre funéraire, donc une section de fonctionnement qui a un excédent de fonctionnement encore en augmentation. Alors, section de fonctionnement, un excédent qui est en augmentation parce que le nombre de crémations est en augmentation. Hein, c'est une pratique qui... se répand de plus en plus. Et donc, nous avons, sur le slide suivant, un excédent de fonctionnement de près de 300 000 €, un résultat cumulé d'investissement de 37 000, négatif de 37 000 €, et un solde à réaliser d'Epsilon, moins 365 €, donc un résultat positif, là aussi très bon, de 260 000 €, quasiment. Voilà l'exposé des comptes administratifs de la ville, de l'eau et du CFU. Merci Monsieur Louis. On me signale donc le départ de Madame Poinceneau-Gaëlle, donc qui a donné pouvoir à Mme Spéconia, Antonietta. Je pense que ce compte administratif, cette présentation, va appeler des débats. Donc
Monsieur Neuler ou Dominique Schmitt? Monsieur Neuler. C'est Monsieur Neuler? C'est Monsieur Neuler. Bien, je vous remercie pour cette présentation très claire, Monsieur Louis. J'aurais préféré avoir les comptes administratifs avant le débat d'orientation budgétaire et le vote du budget, parce que c'est vrai que c'est plus simple ensuite d'analyser la suite, et la municipalité, malgré l'argument, peut continuer à fonctionner avec les budgets d'anticipation. Voilà, c'était pour redire ce que j'avais déjà dit lors du débat d'orientation budgétaire. Donc, quelques remarques par rapport à votre présentation, Monsieur l'adjoint aux finances. D'abord, sur le budget de fonctionnement. Vous parlez donc des baisses de charges de personnel, en effet, qui sont importantes, 1 500 000 €, mais qui correspondent pour la plus grande part au transfert du personnel qui faisait la compétence déchets à la ville de Thionville, mais pas que. On se rend compte également plus loin dans les chiffres que on a les augmentations de dépenses de ménage de plus de 196 000 € par un début donc d'externalisation du service, mais qui n'est qu'un début dans ce que vous annoncez, et donc ça veut dire que ça va continuer. Et donc je reviens sur le débat que l'on avait déjà eu, c'est-à-dire que on a le droit de choisir des services qui se réalisent en régie ou des services externalisés, de voir des priorités, mais dans ce cas-là, ça veut dire une évolution de l'organigramme de la ville, et cette évolution de l'organigramme, il est logique du fait de transfert de compétences, du fait de votre politique de non-remplacement de départ à la retraite, du fait de votre politique de non-remplacement des personnels malades, etc., pour faire des économies de personnel. Mais dans ce cas-là, il faut présenter un organigramme cible au niveau du conseil municipal, et que ce débat sur quel service à externaliser ou quel service à garder en régie, on l'ait en conseil municipal et qu'on puisse en débattre. D'ailleurs, il s'agit ici du ménage. Je dois dire qu'en tant que directeur d'école, je me rends bien compte que le service qui était rendu par le personnel communal était de bien plus grande qualité que le service rendu par l'entreprise qui réalise le même service en externalisé, puisqu'ils le font en beaucoup moins de temps. Voilà. Donc le service n'est pas forcément de la même qualité quand on l'externalise, même si, en effet, on peut peut-être faire des économies pour la ville en le faisant ainsi. Autre remarque maintenant sur la taxe des ordures ménagères. Vous l'avez bien précisé, on a 4,9 millions en 2015 d'un côté, l'année précédente c'était de l'autre côté. Sauf que l'année précédente de l'autre côté, ça faisait un peu moins que 4,9 millions. Et on avait un petit excédent. Donc du fait du transfert de la compétence déchets, la ville de Thionville va perdre une somme d'argent de ce petit excédent que l'on ne percevra plus. Vous me dites non, ben vous m'expliquerez. Vous m'expliquerez pourquoi quand j'aurai terminé. Non, voilà. Vraiment... Alors, sur la partie recette, donc vous rappelez la suppression de la demi-part de veuve, etc., etc. Bon, je l'ai dénoncé également. Ça a mis des gens dans la difficulté, on sait. Vous mentionnez la baisse faible du parking malgré la gratuité. Oui, qui est plus faible que ce qu'on annonçait. Je vous rappelle malgré tout que vous avez révisé les prix sur le reste des parkings et que vous avez augmenté les prix. Oui. Et c'est ce qui explique la différence entre les chiffres que vous... Non, mais voilà, ce n'était pas le fait qu'on annonçait des chiffres désastreux. C'est parce que vous l'avez compensé en augmentant les... Voilà. Donc juste une remarque au passage. Donc sur les produits de service, vous parlez notamment du conservatoire. Là, je dois dire que du fait de l'annualisation, ça aurait permis donc une augmentation des recettes. L'augmentation des recettes a été aussi liée à une augmentation des prix pour les gens qui mettent leur enfant en conservatoire. Je voulais le rappeler. Vous parlez aussi donc des baisses des entrées au Scala. Donc je m'interroge aussi sur le pourquoi ces baisses des entrées constatées, ainsi qu'au théâtre. Et en même temps, on se rend compte plus loin que vous avez fait aussi des économies sur les prestations, c'est-à-dire sur les achats de spectacles. Est-ce que le fait d'acheter des spectacles moins chers, qui seraient peut-être moins attirants, pourrait expliquer les baisses d'entrée? Voilà, c'est une question qu'on peut se poser. Et est-ce que le fait de fermer cette semaine
au lieu de 5, ça ne va pas accentuer aussi la baisse de fréquentation de la Scala. Voilà, bon, deux petites remarques. Sur l'investissement, donc, on remarque en effet la diminution donc, du recours à l'emprunt, puisqu'on passe de... Enfin, on diminue de 5 millions d'euros, en gros, par rapport à l'année précédente. On diminue donc de 5 millions d'euros le retour à l'emprunt. On diminue en fait l'endettement que de 870 000 parce que les travaux, en gros, augmentent de la différence de 3 millions. Je dois dire que la trajectoire de 2016, et je reviendrai dessus quand on reparlera du budget 2016, marque une rupture avec cette stratégie parce qu'on va voir une volonté, non pas d'une baisse légère de la dette de la ville, mais là, une baisse massive engagée de la dette de la ville sur le budget 2016, en faisant quoi? En un, en augmentant les impôts fortement de 20%, et deux, en diminuant les investissements qui ne seront plus du tout à la même hauteur. Je dis que le budget 2016 par rapport au budget 2015 dont on fait le constat aujourd'hui va marquer une rupture dans la façon de gérer la ville et on entre dans une politique que je qualifie d'austérité au niveau de la ville de Thionville en 2016. Monsieur Terrer. Merci, monsieur le premier adjoint. Je serai moins long que mon collègue. J'ai travaillé plus particulièrement sur l'annexe 4, les éléments de bilan croisés, et j'ai été interpellé plus particulièrement par une colonne qui s'appelle le poste foire et marché. J'ai donc ressorti des éléments sur les ans passés, et sur les années passées, je me rends compte que de 2010 à 2013, les montants sont relativement faibles au niveau des recettes. Elle varie entre 131, 121 et 129 kilo-euros. J'ai recherché à comprendre pourquoi, subitement, en 2014, elle passait à près de 208 000 kilo-euros, alors qu'en réalité, sur les éléments de recherche, il n'y a pas plus de foires, il n'y a pas plus de marchés, pas plus d'inscriptions. Il y a eu une faible diminution en 2014-2015 de la surface des fêtes foraines. Donc je ne m'explique pas pourquoi il y a un delta aussi important. Dieu merci qu'il y a des recettes importantes, mais sur les années passées, je me pose la question, compte tenu des éléments matériels qui ont été relevés et situés. D'accord, merci Monsieur Terrer. Autre intervention? Monsieur Louis. Alors, en reprenant dans l'ordre où ils ont été évoqués les différents points, l'aspect de effectuer le connaître le compte administratif avant le DOB, nous avons fait un choix qui consiste à voter le budget avant le début de l'année civile, lorsque la pratique précédente consistait à commencer par faire des dépenses et puis d'élaborer le budget pour mars-avril. Donc nous avons souhaité, nous, que, comme ça se fait dans les entreprises, du reste, que le budget soit élaboré avant que l'exercice ne démarre. Voilà pourquoi on l'a commencé auparavant, et non pas pour noyer le poisson ou perturber... Alors bon, c'est un changement, bon, il faut s'y habituer, mais c'est ainsi que on pense que ça permet d'avoir une meilleure gestion de faire un meilleur budget primitif avant que l'année civile ne commence, avant que l'exercice ne commence. Alors, la baisse des charges salariales, je l'ai indiqué, hein, quand on regarde la rubrique charges salariales, le gros écart, l'écart est constitué essentiellement du transfert des agents de déchets, puisque en dehors de ce transfert, on a en 2015 le même chiffre qu'en 2014. On a le même chiffre parce que les baisses, le GVT a compensé les emplois qui n'avaient pas été remplacés. Hein. Alors, en ce qui concerne le ménage, mais je donnerai la parole à ma collègue Pauline Lapointe-Zordan pour les écoles, mais si vous voulez, là, lorsqu'on choisit d'externaliser une prestation, c'est parce que
on sait que la prestation va coûter moins cher que si nous l'exécutons nous-mêmes. Mais on sous-traite un résultat. On ne sous-traite pas des heures, on ne passe pas. Ça serait du délit de marchandage que de traiter de cette façon-là. Ce n'est pas des heures qu'on attribue, c'est un résultat de propreté. Et si vous n'avez pas le résultat escompté, moi je vous invite à vous rapprocher du technicien qui suit le contrat, de manière à faire rectifier la qualité du travail qui vous est fourni. Donc je donne la parole à Pauline Zordan et je la reprendrai après. C'est peut-être moi qui vais la donner. Excusez-moi. Voilà. Merci, monsieur Louis. Merci, messieurs, de me donner la parole. Donc, juste deux points pour répondre par rapport au ménage. Vous savez bien que si on a externalisé aussi le ménage dans les écoles, c'est bien pour faire suite à la réforme des rythmes scolaires et une volonté de nos agents, de nos ATSEM, de recentrer leur mission sur l'éducatif. Donc, c'est déjà la première raison qui fait que nous avons commencé à externaliser le ménage dans les écoles. Alors certes, quand c'était fait par nos agents, on avait peut-être une minutie qui était différente. Comme l'a dit M. Louis, on a déjà fait des réunions pour pallier à certains soucis dans les écoles. La deuxième chose, vous savez bien que le ménage, c'est pas facile. C'est un métier qui, quand le personnel vieillit, malheureusement, on a ensuite des contraintes médicales qui fait qu'on doit reclasser aussi ce personnel. Donc voilà aussi une deuxième raison qui fait que c'est une tâche qu'on essaye d'externaliser au maximum. Voilà, c'était juste les deux points. Merci. Mais je vous en... Monsieur Louis, vous pouvez appuyer, monsieur Louis. Si vous voulez la parole, je peux vous la donner. Voilà, votre point suivant, monsieur Dollaire, concernait la TEOM. Vous avez raison, nous avions et nous avons toujours un excédent entre la TEOM et le coût de l'enlèvement des déchets, mais je l'avais déjà expliqué dans un conseil précédent, nous avons conservé cet excédent. Il était en 2015 de 693 400 euros, et ce que nous avons reversé, puisqu'on percevait la TEOM, on l'a reversé à l'aglo, nous avons reversé à l'aglo la TEOM perçue, moins 693 400 euros. Attendez, j'ai pas fini. Laissez-moi aller au bout. Et donc, nous avons négocié pour les années suivantes le même principe. Cet excédent, nous étions trois communes dans ce cas-là, Thionville, Yutz, Etterville, et nous avons négocié à l'aglo le maintien pour ces trois communes de l'excédent de TEOM. Bon, qui certes diminuera, parce que si on avait conservé la compétence, on aurait subi aussi des augmentations de coûts. Donc, on ne peut pas prétendre conserver l'excédent. Cet excédent aurait diminué. Et donc, mais le principe est acquis. Il a été, vous le verrez, en vote du budget de la communauté d'Aglo. Le principe est maintenu. Ensuite, vous avez évoqué les tarifs de stationnement. Alors, oui, sans doute que l'augmentation des tarifs est venu compenser la baisse de recettes, mais pas en totalité. La différence entre les recettes, la baisse de recettes que nous avons et les 500 000 euros de baisse qui avait été évoquée, c'est à peu près 250 000 euros. 250 000 euros, ça représente 20% du montant total des recettes de parking. Nous n'avons pas augmenté les recettes, le coût des parkings de 20%. Mais votre question est intéressante et je vais faire le calcul pour pouvoir vous donner les chiffres exacts correspondant à l'augmentation du coût des parkings. Alors, pour les spectacles, je laisserai peut-être... Je vais laisser. Monsieur le Président, donnez la parole à mon collègue de la culture pour répondre. Voilà, merci Monsieur Louis. Monsieur Mgott. Voilà. Monsieur Noller, vous êtes un être intéressant, vous êtes un être très contrasté. Parfois, vos propos ont beaucoup de rigueur et sont très cohérents, et par moments, on a l'impression que vos propos dépassent votre pensée. Je ne peux pas laisser dire et insinuer que
on donnerait de la mauvaise, ou on offrirait à la population thionvilloise des spectacles de mauvaise qualité pour faire des économies. Ça serait, je trouve, nous donner une très mauvaise image. Mais je vais être très simple, monsieur Nolaire. Je vais vous expliquer une chose très simple. Actuellement, vous faites venir un spectacle, quel qu'il soit, quel qu'il soit, même si votre salle est pleine, vous êtes déficitaire au prix d'entrée du spectacle, à 40 € maximum, ce qui est déjà très cher, mais bien moins cher que d'autres villes autour de Thionville. Et la plupart du temps, entre 30 et 35 € le spectacle. Vous rendez compte de ce que ça représente pour, ce que ça représente pour deux personnes et si vous avez des enfants. Et on ne peut pas aller au-delà. Alors, je continue à vous dire que si vous voulez faire des économies, vous avez plusieurs façons d'envisager les choses. Je ne parle pas de baisse de fréquentation pour l'instant, je vous explique ce que coûte un spectacle. Donc vous êtes déficitaire sur un spectacle au prix d'un tarif lorsque vous achetez le spectacle. Vous commencez à ne plus être déficitaire si vous travaillez en coproduction ou si vous travaillez en location. En location de salle, vous ne gagnez pas beaucoup, mais vous ne perdez rien. Ça, c'est la partie comptable. Pourquoi vous ne perdez rien ? Parce que la salle est louée. Donc, tout est pris en charge par la production qui loue la salle. Bon, à eux de faire un bénéfice ou de ne pas en faire. Et souvent, les chiffres, j'ai été très surpris des chiffres de bénéfices qu'on pouvait avoir à la fin d'une soirée, parfois, en augmentant les tarifs. Mais c'est ridicule. C'est ridicule. Sur des sommes énormes, il reste 1 000 €, 1 200 €. C'est effectivement très surprenant. Baisse des recettes. Alors, pourquoi baisse des fréquentations ? La baisse de fréquentation, elle est universelle. Pourquoi ? Parce que nous sommes en période de crise et que les gens ont moins d'argent et que les gens dépensent moins, tout simplement. Donc, ce n'est pas un problème thionvillois, c'est un problème qui est national. Et toutes les salles de spectacle rencontrent exactement les mêmes problèmes. Que ce soit dans une municipalité de droite, de gauche, du haut ou du bas, vous rencontrez tous les directeurs de salle et très souvent dans l'occasion, dans les colloques de culture, d'en discuter, on a tous exactement le même problème. Donc, faire croire qu'on va essayer de vendre de la mauvaise qualité et que c'est la cause d'une baisse des recettes, non, c'est pas vrai. Et d'ailleurs, vous aurez la surprise encore de voir la programmation de cette année, bah, vous verrez que la qualité, elle est au rendez-vous, parce que c'est vraiment une très belle programmation. Donc, je peux pas vous laisser dire ça. Et quand je vous dis que vous êtes un être très contrasté et intéressant, vous terminez votre propos par des choses extrêmement logiques. Mais qu'est-ce que vous nous dites ? Vous nous dites, mais vous découvrez, mais vous êtes en austérité ? Ben oui, qu'on est en austérité. Et expliquez-moi comment on fait quand on est endetté comme on l'est. Y a-t-il une autre possibilité ? Vous avez souvent des idées comme ça. Mais vous savez, il n'y a pas que Thionville qui est endetté. La France est endettée aussi. Et quel que soit le gouvernement, vous verrez que les solutions sont identiques. Sans sortir d'HEC, sans sortir d'ESSEC, sans sortir de Polytechnique, on serre la ceinture et tout le monde fait une politique d'austérité. C'est ce qui est fait en France aussi, à tous les niveaux, monsieur. Et là, vous dites des choses qui sont effectivement extrêmement rigoureuses. Je vous remercie. Pas de... Monsieur Louis, il reste encore, une dernière il reste encore des points évoqués par monsieur Nolaire. Vous avez évoqué ensuite la baisse d'emprunt que nous avons effectuée en 2015 de 5 millions d'euros et pourtant seulement un désendettement de 800 000 euros. Ben oui, quand on doit faire des économies, on fait des économies sur le budget de fonctionnement et sur le budget d'investissement. Budget de fonctionnement, vous avez vu, on a réalisé 1 800 000 euros d'économies. Budget d'investissement, malheureusement, on n'en a pas fait parce qu'il faut... Il fallait continuer les programmes qui avaient été lancés. On n'allait pas les arrêter. Et donc, ça nous a empêchés d'avoir un montant d'investissement en baisse par rapport à 2013, par rapport à 2014. Vous avez constaté que les dépenses d'investissement ont augmenté entre 2014 et 2015. Mais parce que, bon, on n'avait pas laissé Puzzle dans l'État, on n'avait pas laissé l'UVT non terminé, et également le programme en rue de la Côte des Roses. Il fallait terminer tout ça. Alors, on ne change pas de gestion. Je vous ai expliqué que l'endettement de la ville reste de 115%, je ne me rappelle plus du chiffre exact, et que ça conduit simplement les banques à dire « Non, moi, je ne vous prête plus d'argent, commencez par passer sous la barre de 100%. » Donc, il faut bien, pour reprendre l'expression de Jacques Elgott, il faut bien serrer la ceinture. Et bien sûr, les investissements qui sont programmés en 2016 sont nettement
inférieurs à ceux de 2015. Mais il n'y a pas de secret. Pour arriver à redescendre sous la barre, on n'y arrivera pas encore en 2016, à descendre sous la barre des 100%. Mais il faudra bien qu'on y arrive. Et donc, on n'a pas le temps. Vous aviez déjà exposé dans des conseils précédents le souhait de voir cette baisse étalée dans le temps. Ben, on n'a pas le temps. Il faut la faire de façon rapide et drastique. Et c'est le choix que nous avons fait. Voilà. Et alors, pour la question de M. Atterer, désolé, je ne sais pas répondre. Mais on regardera et puis on vous contactera pour vous dire l'analyse qui est faite de cette variation-là. Merci, Monsieur Louis. Plus de remarques particulières. Écoutez, donc, on va conclure par un vote où je ne participerai pas, mais ce qu'il faut retenir de ce compte administratif 2015, c'est le gros effort de la collectivité sur les dépenses réelles de fonctionnement, donc moins 2,8%, soit 1,8 million d'économies, en l'espace d'un an, ce qui représente 40% de la promesse que nous avons faite sur notre mandat. Ces économies sont réalisées à périmètre constant, puisque, on l'a expliqué, la TOM au niveau de l'agglo a été reversée. Le début d'une politique de désendettement, pour la première fois depuis 2009, la collectivité rembourse plus de dettes qu'elle n'emprunte. C'est un virage qui ne fera que s'accentuer. Les recettes restent stables, malgré une baisse significative des dotations. Et je rappelle, la DGF est baissée de 1,3 million d'euros par an, en raison de la mise en place de nouvelles sources de financement. Les recettes liées, et c'était expliqué parfaitement par M. Louis, liées au parking des Capucins, sont stables. Et pour revenir au niveau de la gratuité de ce parking, M. Noller, je ne vous ai pas vu hier à l'AG de la P7, puisqu'il y avait certainement autre chose à faire, mais... D'accord, mais voilà. Non, mais bien sûr. Mais c'était pour dire la satisfaction exprimée quand même par l'ensemble des commerçants sur cette gratuité du samedi après-midi. Donc c'est quelque chose, bien sûr, qu'il faut poursuivre. Et cette gratuité sur laquelle on a perdu 215 000 euros la première année, et donc à année constante, a été stable. C'est-à-dire qu'il y a une augmentation de la fréquentation quand même de ce parking des Capucins. Des investissements maîtrisés essentiellement concentrés sur la poursuite des opérations en cours datant de la municipalité précédente, et des investissements impératifs, et notamment l'ensemble du protocole concernant l'ANRU Côte des Roses. L'ensemble des ratios s'améliore après une dégradation constante depuis 5 ans. Pour M. Atterer, donc, vous posiez la question de savoir le niveau de des recettes, l'augmentation des recettes concernant les marchés. C'est simplement parce que, notamment en termes de marché de Noël, nous avons augmenté en fait tout ce qui était redevance en termes de location de chalets, ce qui explique en fait l'augmentation des recettes en ce qui concerne les marchés. L'effort de rationalisation des dépenses publiques porte ses fruits et permet de faire face au remboursement de la dette abyssale de la ville. Mais les efforts sont encore à poursuivre sur le budget 2016. Aucun emprunt nouveau n'est prévu pour 2016. Il faudra bien, M. Noller, à un moment donné, se poser la question, on ne peut pas continuer à emprunter avec des recettes de fonctionnement qui augmentent aussi, des recettes de fonctionnement qui baissent et des dépenses de fonctionnement qui augmentent. Il faudra bien, à un moment donné, faire des choix. Nous les avons faits. Pour avoir une crédibilité, comme le disait M. Louis, au niveau des banques, les efforts sont poursuivis au regard des dépenses de fonctionnement, notamment ce qui concerne les ressources humaines, par la politique de non-remplacement et de réorganisation des services. Et aussi le fait d'envisager aussi, certainement vis-à-vis de la communauté d'agglomération, des mutualisations. Le budget absorbe donc les évolutions de carrière et continue de diminuer la masse salariale. La ville garde en 2016 de l'oxygène grâce à ses cessions qui permettent de désendetter la ville. Puisqu'il s'agit d'une recette non pérenne, elle doit poursuivre ses efforts sur le fonctionnement jusqu'aux 4,6 millions d'euros d'économies prévues sur les 3 ans. D'autre part, les baisses de DGF et l'ouverture du puzzle nécessitent des efforts supplémentaires dès 2017. Tout ça a été expliqué par Mme Gromersch parfaitement bien et nous sommes dans cette lignée. Les investissements sont plus que jamais réduits à l'essentiel afin de sortir la ville de l'ornière. Malgré l'augmentation des taux d'imposition annoncés, qui ne couvrent que moins de la moitié de la perte des dotations et des dépenses nouvelles, la ville ne sera sortie d'affaire qu'en poursuivant sa politique de réduction de coûts. Les projets en termes d'aménagement et d'urbanisme, et on va y revenir, notamment sont maintenus et développés malgré le peu de moyens dans une logique de construire le Thionville de demain.
Mesdames, Messieurs, je vous propose de passer au vote. Je sors de cette salle. Je demande à M. Louis de faire voter l'Assemblée. Bien, alors je mets aux voix. Oui. Sur les trois. Bon. Donc, et on le fait pour les trois en même temps. D'accord. Merci. Ma liste, je suis désolé. Je dois vous lire, le maire ayant quitté la salle, le conseiller municipal désigné, en l'occurrence moi, vous dit la chose suivante. Compte tenu de ce qui précède, le conseil municipal voudra bien, pour ce qui concerne le compte administratif, approuver la gestion du maire, accusant les résultats indiqués et présentés juste avant. Pour ce qui concerne le compte de gestion, statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2015, statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2015 pour ce qui concerne les différentes sections budgétaires et budget annexe, et statuant sur la comptabilité des valeurs inactive. Déclarer que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2015 par le receveur n'appelle aucune observation ni réserve de sa part. Et donc, pour passer au vote, j'ai bien noté qu'on votait pour les trois en même temps et que vous vous absteniez. Merci. Je rappelle que cette délibération a été lue par le doyen de l'Assemblée, ce qui est une obligation sur le plan légal. Voilà, parce qu'on m'a interrogé, j'ai entendu dire pourquoi ce n'était pas la deuxième adjointe qui lisait cette délibération. En fait, c'est le doyen de l'Assemblée qui doit lire. Oui, mais c'était Marcel. Non, mais c'était tous les deux, oui. On était. Voilà. En fait, depuis ce soir, c'est Jean-Charles. Monsieur Louis, je crois que c'est à vous, là. Vous repartez? C'est à vous? Ah oui, voilà. Donc, donc tu étais déjà passé, oui, non. Donc, affectation, donc point. On est au point 14. C'est que j'étais viré. Parce que comme il a sauté, on est au point 14. Hein. Alors, on est au point 14, affectation du résultat de l'exercice 2015 de la ville. Oui. Monsieur Louis. Alors, en fait, nous avons. J'ai présenté tout à l'heure l'affectation du résultat en même temps que le budget. Et je pense que vous, on peut considérer que vous avez le même vote, c'est-à-dire abstention sur l'affectation du résultat. Donc les affectations de résultats sont approuvées avec l'abstention des représentants de l'opposition. Voilà, merci Tiffaine, si tu veux revenir au budget supplémentaire ville. Alors on fait un budget supplémentaire, monsieur Noller, on est bien obligé de le faire, ne serait-ce que pour affecter le résultat de l'exercice précédent. Voilà, c'est parce que, bon, on a fait le débat d'orientation budgétaire. Ben oui, mais bon, c'est pas une DM, c'est un budget supplémentaire. Voilà. Alors, ce budget supplémentaire, donc, dans les recettes, ben, comporte la reprise du résultat de l'exercice 2015, à hauteur de 2,171 millions que vous avez vu juste avant. On prend en considération le remboursement de la part du CCAS de la charge de personnel en exercice N. Vous savez que le personnel est payé par la ville et donc remboursé par le CCAS, mais avec une année de retard. Et donc, ceci provoque des difficultés et bien il fallait arriver un jour ou l'autre à ce qu'on ait le paiement des salaires par le CCAS en année N. Le CCAS a vendu un bien immobilier et dispose de 2,4 millions d'euros pour rembourser la ville. Enfin, la contribution au redressement des finances publiques de 2,540 millions d'euros
dans les dépenses. Alors, c'est les grands chiffres, hein, ça ne fait pas le total. Les recettes et les dépenses de fonctionnement s'équilibrent à 7 212 858,01 €. Mais on vous a donné les grandes rubriques, là. Donc, dans les dépenses, virement à la section d'investissement à hauteur de 4 310 652. Ça aussi, vous l'avez vu, ce chiffre, dans le compte administratif tout à l'heure. Et bon, il faut virer maintenant à la section d'investissement ce montant. La contribution au redressement des finances publiques, donc vous avez le même montant au-dessus, c'est la contrepartie. Le complément de crédit pour règlement des factures d'eau. Nous avons reçu de la part du service de l'eau des factures pour le deuxième semestre 2015 après que les comptes aient été clôturés. Et donc, avec une mauvaise surprise, c'est qu'il y avait un surcoût de consommation d'eau qui conduisait à payer 70 000 euros. Il n'avait pas été pris dans le budget primitif parce qu'on ne le connaissait pas. Donc, on rajoute ces dépenses. L'augmentation de la subvention versée au CCAS à hauteur de 100 000 euros. Vous avez vu dans le budget primitif que cette subvention a été passée de 3,9 millions à 3,8 millions. Le CCAS a absolument besoin de 100 000 euros et pour ne pas le mettre en difficulté, nous avons décidé d'augmenter cette subvention, à charge pour lui de retrouver les moyens d'économie, de réaliser les économies nécessaires. Externalisation de la prestation au ménage, que M. Noller évoquait tout à l'heure, qui va donc constituer des dépenses alors qu'avant on trouvait ce coût dans les charges salariales. Le slide suivant. En ce qui concerne la section d'investissement, donc là pareil, les manips de fin d'exercice, le virement de la section de fonctionnement à hauteur de 4 310 000 dans les recettes, l'intégration des restes à réaliser que vous avez eu tout à l'heure, on avait en recette 3 millions, en dépenses 9,2 millions, donc là ce sont les recettes qui sont affectées, l'affectation du résultat de l'année 2014, 4 841 000. Le résultat excédentaire de la section d'investissement, vous l'avez vu aussi tout à l'heure, 1 293 000. Les cessions immobilières que nous prévoyons de faire en plus par rapport au budget primitif et la diminution du recours à l'endettement. Vous allez voir ça sur le diagramme que je vous présenterai après. Nous avions prévu de recourir à un emprunt à hauteur de 3 614 000. Eh bien, toutes ces écritures, tous ces mouvements en plus et en moins vont nous permettre d'éviter de recourir à l'emprunt et donc de diminuer l'endettement plus rapidement comme les chiffres malheureusement nous y obligent. En dépenses d'investissement, l'intégration des restes à réaliser en dépenses, c'était les 9,2 millions que j'ai évoqués tout à l'heure. La subvention accordée par la ville pour la création d'un nouvel EHPAD, on a évoqué ce point-là lors du conseil municipal précédent, 1 million. L'avance au budget du lotissement de la Petite Laure, vous allez voir tout à l'heure pourquoi, hein, puisqu'on présente également un budget supplémentaire pour la Petite Laure. Et la gestion immobilière à hauteur de 768 000 euros. Enfin, le lancement des études et travaux du périscolaire des Langes, ça n'avait pas été budgété au budget primitif. Et donc, les études vont être lancées pour être prêts à réaliser ce périscolaire au tout début de l'année suivante. Voilà. Donc, ceci conduit au résultat que vous avez devant les yeux. Le résultat 2015, donc 2,171 millions. Le budget supplémentaire, les chiffres que vous avez vus font apparaître un excédent de 1 440 000 euros. Donc, on a nos 3 061 000 qui permettent d'éviter de supprimer l'emprunt d'équilibre. Et nous avons un équilibre à zéro pour ce budget supplémentaire. Moyennant quoi, la dette évoluera de la façon suivante. Nous aurons en 2016 8 millions d'euros de capital de la dette à rembourser, moins 2 millions d'euros, c'est un emprunt qui avait été contracté fin 2015 et que nous n'avons pas eu besoin de mobiliser au quatrième trimestre 2015, eh bien nous le mobilisons en 2015, mais ce sera le seul, puisqu'on peut supprimer l'emprunt prévu de 3 610 000, donc nous arriverons à un désendettement en 2016 de 6 millions d'euros, mais on restera malheureusement toujours au-dessus des 100% du ratio de l'endettement par rapport aux recettes.
Je passe aux autres budgets. Budget supplémentaire de l'eau. Donc nous avions un résultat de 2015 de 605 000 euros et il est affecté en priorité au désendettement. Ensuite, le budget supplémentaire du CFU. Vous avez vu le résultat de près de 260 000 euros. Alors là, nous allons rembourser le capital de la dette par anticipation, puisque bon, ce résultat est très très bon et nous aurons ensuite un CFU eh bien, presque désendetté complètement. Alors la petite Laure, le budget primitif comportait l'acquisition par la petite Laure des terrains pour 300 000 euros. Il faut rajouter dans les dépenses 300 000 euros pour l'acquisition de ces terrains. Et puis, il va falloir faire des travaux pour permettre la vente des différentes parcelles, donc encore 220 000 euros. Ceci sera financé par une avance de la ville à hauteur de 740 000 euros et une diminution du recours à l'emprunt qui avait été prévu sur ce budget de 220 000 euros, donc un équilibre entre les recettes et les dépenses. Voilà les quatre budgets supplémentaires que nous vous présentons. Y a-t-il des remarques, Monsieur Neuler? Bien, je vais vous dire ce qui était possible de faire autrement. Déjà une remarque. Vous nous dites les banques, elles nous refusent, etc. Je rappelle quand même que les banques, c'est ceux-là même qui nous ont mis dans la situation de crise dans laquelle nous sommes. Que la ville de Thionville, elle a toujours payé. Et qu'on peut avoir confiance dans la ville de Thionville. Moi, c'est plutôt dans les banques que je n'ai pas confiance. Et je serais plutôt pour un service public qui prêterait directement aux collectivités locales sans passer par des banques privées qui nous ont mis là où nous en sommes. Voilà. Et donc, ces pressions et répondre aux pressions des banques, je pense qu'il y avait peut-être une autre façon de faire. Mais si les banques ne veulent pas vous prêter, elles ne vous prêtent pas. Exemple. Vous pouvez tourner, M. Neuler. On peut faire de la prose et si les banques ne veulent pas vous prêter, elles ne vous prêtent pas. Après, on peut faire aussi un petit peu de... Je crois qu'il faut que toutes les réflexions enrichissent ce débat. Là. On peut avoir une réflexion politique qui va au-delà de la problématique municipale en disant qu'il y a peut-être d'autres propositions à faire pour que ce soit... Quelle proposition pour les banques? C'est ce que je veux dire. À créer un pôle public bancaire, c'est au niveau national qu'il faudra le faire, pas au niveau local. Mais j'ai le droit de le dire ici, puisque c'est ce que je pense. Voilà. Et qui pourrait sortir les municipalités de là où ils en sont. Voilà. Parce que, malgré tout, vous annoncez donc 6 millions d'euros de baisse de la dette et 4,4 millions d'euros d'augmentation des impôts. C'est ce ratio, cette comparaison entre les deux. Vous avez fait le choix de la diminution massive de la dette de 6 millions d'euros en 2016 en augmentant les impôts de 4,4 millions d'euros et donc de faire payer quasiment l'intégralité aux Thionvillois par l'impôt de cette baisse de l'endettement. Et vous allez même au-delà. C'est pour ça que je vous disais trop vite, trop fort lors du budget 2016. Et entre baisser de 6 millions d'euros la dette et d'augmenter de 4,4 millions les impôts, je pense qu'il y avait quelque chose de plus modéré et de pas faire payer intégralement les Thionvillois aussi fortement en un an ce choix politique. Alors, ce que vous appelez banque privée, c'est la Caisse des dépôts et consignations, c'est la Banque postale, c'est la Caisse d'épargne, parce que voilà les organismes qui nous prêtent de l'argent. Moi, j'appelle pas ça des banques privées, nous n'avons pas, nous ne sollicitons pas, et nos prédécesseurs non plus, du reste, on n'innove pas des banques, la Banque Rothschild ou la BNP ou des banques comme ça. Les banques qui prêtent aux collectivités, c'est celles que je vous ai citées. Et donc, on est déjà dans le cas que vous suggérez d'avoir recours à un pool de banques nationales ou d'État. Bon, les 6 millions d'euros, vous confondez, M. Neuler, le budget de fonctionnement et le budget d'investissement. Les 4,4 millions d'augmentation d'impôts ne vont pas venir alimenter la section d'investissement. Nous avons besoin de restaurer également le compte, la section de fonctionnement. Pour qu'on puisse financer des investissements, il faut qu'on dégage un excédent de fonctionnement suffisant qui puisse être versé à la section d'investissement. Donc,
ce n'est pas les 4,4 millions qui permettent de baisser la dette de 6 millions d'euros. Ce qui permet de baisser la dette de 6 millions d'euros, c'est la baisse des investissements qu'on réalise. Vous avez vu qu'on a dépensé... Vous mélangez tout, là. Les dépenses d'investissement étaient de 16 millions en 2014, vous l'avez vu tout à l'heure, et elles seront de 10 millions d'euros en 2016. Donc là, vous avez une correspondance des chiffres, et ça montre que ça nous permet de ne pas endetter en 2016. Merci, M. Cuny. Mes chers collègues, ce soir, nous votons le budget. Je sais bien qu'il s'appelle budget supplémentaire, mais en réalité, nous votons le budget. J'ai entendu vos explications, M. Louis, tout à l'heure. Je vous comprends. C'est vrai qu'il serait plus logique de voter le budget en début d'exercice plutôt qu'au bout de 3 mois d'exercice. Mais le fait est que lorsqu'on vote le budget au mois de décembre, comme vous nous l'avez proposé il y a de cela donc un peu moins de 4 mois, eh bien, en réalité, on vote un budget à l'aveugle. Si bien qu'aujourd'hui, vous venez avec un budget supplémentaire et qu'en réalité, nous recommençons le même exercice. Il y a d'ailleurs très longtemps qu'on n'avait pas voté de budget supplémentaire à la ville de Thionville. C'est donc un exercice un peu inutile, même si je comprends votre préoccupation. Mais le fait est que le véritable budget, c'est aujourd'hui que nous le votons, avec à la clé ce que vous allez soumettre à notre Assemblée tout à l'heure. Je crois que c'est le point suivant, une augmentation de la fiscalité locale de plus de 20%. Et donc, la seule question qui en réalité intéresse nos concitoyens dans nos débats de ce soir... C'est la suivante. Est-ce que cette augmentation de 20% de la fiscalité locale était inévitable? Est-ce que véritablement, il n'y avait pas d'autre solution que cela? C'est ce que vous nous dites. C'est ce que vous nous avez expliqué au théâtre il y a de cela quelques semaines. Et c'est ce que vous nous dites ce soir. Eh bien, moi, je pense que non. Et qu'on pouvait faire autrement. Le premier point sur lequel je veux insister, et ça avait été évoqué par Jean-Marie Ritter lors de la soirée au théâtre, c'est que la dette... de la ville pèse moins lourd sur les finances publiques aujourd'hui qu'elle ne le pesait en 2008 lorsque nous sommes arrivés aux responsabilités. Pour une raison simple, c'est que les taux d'intérêt sont beaucoup plus faibles aujourd'hui qu'ils ne l'étaient à l'époque. Et donc l'explication de la dette qui viendrait obliger la municipalité à augmenter les impôts dans des proportions aussi considérables, c'est une explication qui ne tient pas. Et puis il y a un deuxième élément, et vous l'avez vous-même donné. Après l'intégration des résultats de 2015 au budget primitif, 2015 voté en décembre, au budget primitif 2016, pardon, il ressort la possibilité d'un virement à l'investissement supplémentaire de 4,3 millions d'euros. Or, cette somme correspond à peu près à l'augmentation de la fiscalité que vous proposez. Et donc, il était possible de faire différemment. On aurait pu, plutôt que d'augmenter les impôts dans des proportions aussi importantes, consacrer une partie de cette somme au remboursement de la dette dans des proportions différentes. Donc en fait, vous faites le choix d'augmenter très fortement la fiscalité, non pas par rapport au passé, mais par rapport à l'avenir. Et vous avez l'habitude de dire que je lis dans une boule de cristal ou que je lis dans le marc de café. Non, non. Non, non. Je fais simplement des analyses, monsieur Louis. Quand je disais que le projet Terra Lorraine était un projet qui n'était pas sérieux et qui ne résistait pas à un examen critique et objectif. Vous m'avez traîné plus bas que terre. On m'a rapporté ce que vous disiez dans les réunions électorales, notamment pendant la campagne des cantonales ou pendant la deuxième campagne des municipales. Le fait est que j'avais raison. Lorsque je disais qu'il n'existait aucun moyen, même si on n'y était pas favorable, aucun moyen d'empêcher la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires à Thionville, je disais la vérité. Lorsque j'expliquais que le problème du commerce de centre-ville était un problème national et qu'aucune municipalité n'avait de baguette magique pour régler ce problème, force est de constater que j'avais raison. Et qu'aujourd'hui, le commerce centre-ville, non seulement il ne va pas mieux, mais il va moins bien. Et donc, je vais vous dire maintenant à quoi me conduit l'analyse que je fais de la situation. Je pense qu'en réalité, vous augmentez la fiscalité locale dans cette proportion totalement extravagante. Vous ne vous rendez pas compte de ce que cela représente pour certains ménages thionvillois. Et je le répète, on pouvait faire autrement. Pour deux raisons. D'abord, parce que vous voulez vous donner des marges de manœuvre pour probablement, d'ici 2017, investir et dire « regardez ce que nous avons fait ». Et puis, je prends le pari suivant. Je prends le pari qu'au budget primitif 2019, celui que vous nous ferez voter au mois de décembre 2018, pour une fiscalité qui s'appliquera donc en 2019, c'est-à-dire juste avant les élections, vous viendrez dire ceci. Chers Thionvillois, nous avons bien travaillé. Nous avons réduit la dette.
La ville va beaucoup mieux par rapport à la situation catastrophique qu'on nous avait laissée. Si bien qu'aujourd'hui, nous pouvons baisser les impôts. Évidemment, pas de 20%, mais peut-être de 5 ou de 10, en espérant que les Thiouvillois auront oublié l'augmentation de 20 et qu'ils se féliciteront et qu'ils vous féliciteront de la diminution de 5 ou de 10%. C'est ça votre calcul, mais ça s'appelle de la manipulation. Et ça veut dire que si aujourd'hui, vous faites peser aussi lourdement sous les Thiouvillois cette augmentation déraisonnable de la fiscalité, ça n'est pas pour des raisons objectives liées à la situation financière de la ville aujourd'hui. C'est lié à votre tactique, je dirais même à votre stratégie électorale déjà en prévision des élections 2020. C'est ça que vous faites aujourd'hui. C'est ce calcul-là que vous faites. Simplement, ça va peser très lourdement sur les ménages thionvillois. Parce que 20%, c'est énorme. Et je le répète, on pouvait faire autrement. Il faut certes désendetter la ville. D'abord, nous l'avions dit. Nous avions dit en 2014 et nous l'avions répété en 2015 que nous ne promettions pas tout et n'importe quoi. Nous n'avions pas 132 propositions. Nous l'avions dit, ou 136, nous avions un projet que nous avions qualifié de raisonnable, de sérieux. On ne jetait pas de la poudre aux yeux. Et donc, en 2014, nous n'aurions pas dépensé comme vous l'avez fait. Nous n'aurions pas ramené le service population à la mairie alors qu'il venait d'être installé là où il était. Nous n'aurions pas fait ces dépenses extravagantes pour la gratuité des parkings alors même que ça ne sert à rien. Les commerçants s'en réjouissent. Écoutez, je suis très heureux pour eux. Mais le fait est que ça n'a pas rempli leur tiroir caisse et que le centre-ville ne va pas mieux. Et donc, je ne vais pas poursuivre la litanie des dépenses inutiles que vous avez faites en 2014, mais toujours est-il qu'on peut diminuer la dette de la ville de manière moins brutale, en faisant une pente descendante beaucoup plus douce, peut-être en augmentant un peu la fiscalité, mais certainement pas dans les proportions que vous avez choisies, pour des raisons, je le répète, qui ne sont pas liées au passé, mais qui sont liées à l'avenir, c'est-à-dire à vos intentions pour les années 2017, 2018, 2019, et surtout en prévision des élections de 2020. C'est ça la réalité de cette augmentation d'impôts. On peut répondre, Pierre Elfgott. Et monsieur Louis, tu donnes. Merci. Bon, je ne vais pas polémiquer avec vous, monsieur Merz, mais votre exposé est fidèle à ce que vous nous avez toujours dit jusqu'à maintenant, et tout en disant, mais c'est toujours de la prophétie, alors je ne sais pas si c'est de la boule de cristal ou autre chose, mais c'est toujours du même, vous êtes toujours du même tonneau. Vous n'avez pas toujours raison, mais encore une fois, je ne réponds pas. Je veux simplement relever deux erreurs majeures que vous avez faites dans votre exposé. Vous avez dit qu'il n'y a pas eu de budget supplémentaire voté depuis longtemps, forcément, puisque le compte administratif était examiné en mars ou en avril, donc il n'y avait pas besoin d'en voter. Par contre, il y avait des décisions modificatives, hein, et donc c'est la même chose. Donc c'est une remarque qui ne tient pas debout. Ensuite, vous avez dit, je croyais que le public n'était pas autorisé à prendre la parole, monsieur. Bon, merci. Ensuite, vous avez dit que l'endettement coûtait moins cher parce que les taux d'intérêt ont baissé. Mais là aussi, vous vous trompez, monsieur. Le taux d'intérêt, ça joue sur les intérêts remboursés, pas sur le capital de la dette. Or, les efforts que nous devons porter, c'est sur le capital de la dette. Mais non. Là, vous noyez le poisson. Vous vous êtes planté dans ce que... Si. Bon, Monsieur Merz, franchement, j'ai cru entendre le président Hollande. Moi, maire. On connaît ces incantations. Mais moi, je trouve qu'il est... Je demande au public de se taire. Moi, je trouve tout de même qu'il est fort de café. Vous parliez de café ou de mare de café. Moi, je dis il est fort de café. D'entendre tout de même quelqu'un, le représentant de l'ancienne municipalité, qui nous a plongé dans cette situation, nous donner des leçons pour en sortir. Ça, je trouve que c'est extraordinaire. C'est-à-dire que vous nous avez mis...
J'allais justement vous dire, monsieur Merz, vous avez fait des progrès, vous ne parlez plus du parking des Capucins, mais maintenant, c'est les tarifs du parking qui sont votre sujet préféré. Eh bien, paf, deux minutes après, vous me parlez du parking. Enfin, je reviens pour vous dire tout de même que je trouve ça absolument extraordinaire d'avoir les personnes qui nous ont poussés dans l'eau nous tendre la main pour nous en sortir. Non. Ça, je trouve ça absolument extraordinaire. Pas nous tendre la main, nous donner des leçons pour apprendre à nager. Je trouve ça absolument extraordinaire. C'est un culot phénoménal. Et je répondrai sur ce que j'ai envie de répondre, monsieur Merz. Parce que vous n'avez pas donné de réponse sur vos propositions pour sortir des affaires. Et puis, je vais aussi revenir sur votre dernier pari. Effectivement, celui de dire un an avant les élections que la municipalité. Mais moi, je proposerais ça, je l'ai dit ouvertement, parce que c'est une excellente chose. Mais c'est une excellente chose. Après s'être serré la ceinture pendant 3 ou 4 ans, il est normal de relâcher les points de sa ceinture. Absolument pas, monsieur. Lorsque vous avez fait des efforts pour obtenir un résultat, eh bien, vous n'êtes pas masochiste. Vous n'allez pas continuer ces efforts. Vous pouvez effectivement lever le pied et permettre à la population d'une part, d'être dans une ville qui a une gestion saine et d'avoir moins de difficultés et moins d'endettement et de moins supporter cet endettement. Mais je trouve que c'est tout à fait normal et naturel. Il n'y a aucun calcul là-dessus. Je trouve que c'est très bien. Et ce que je souhaiterais, moi, c'est qu'on ne soit pas obligé de le faire un an avant les élections. Peut-être qu'on pourra le faire 2 ans avant les élections. Parce que, effectivement, la situation est très difficile, je vous l'accorde, mais c'est pour arriver le plus rapidement à une gestion saine des finances de la ville de Thionville et, effectivement, de libérer la population de ce poids que nous sommes obligés de réaliser maintenant et de mettre en place, je le répète encore une fois, monsieur Merz, à cause de vous. Bon. Monsieur le... Oui, oui. Bon. Si en 2 ans, monsieur l'adjoint, vous pouvez réduire significativement le niveau d'endettement de telle façon que vous pourrez déjà diminuer l'augmentation d'impôts, c'est donc bien qu'il n'est pas nécessaire d'augmenter les impôts dans de telles proportions. Vous venez de me donner raison sur 2 points. D'une part, vous venez de me donner raison lorsque je dis qu'en réalité, par une véritable manipulation à un but électoraliste, vous apprêtez à baisser les impôts juste avant les élections. Et deuxièmement, vous reconnaissez qu'en réalité, il y aurait une autre solution que celle qui consiste à matraquer fiscalement les Thionvillois, qui serait celle d'une augmentation très modérée de la fiscalité et d'un remboursement de la dette étalé dans le temps. Après tout, une collectivité, elle a l'éternité devant elle, monsieur l'adjoint, voyez-vous. Il n'est pas nécessaire d'administrer une médecine de cheval comme vous le faites aux Thionvillois. Vous savez, vous nous dites, oh là là, mais Thionville est endetté dans des conditions incroyables. Mais d'abord, je vous rappelle que nous avons nous-mêmes trouvé un endettement important avec, et je ne cesserai de vous le répéter, le parking des Capucins qui représentait 13 millions d'euros d'endettement sans possibilité de subvention. Et puis, allez voir à Levallois-Perret. Si la situation de Thionville est si catastrophique, mais que dire alors de Levallois-Perret? Et je n'ai pas entendu dire que Levallois-Perret a été placé sous tutelle. Vous nous avez raconté au début du mandat, oh là là, la situation est si grave, Thionville risque la tutelle. Ah bon? Mais en vertu de quoi? Vous avez raconté des mensonges aux Thionvillois et aujourd'hui, non seulement vous venez expliquer la situation de manière mensongère, mais en plus, vous vous livrez, et j'insiste et je le maintiens, à une manipulation à des fins électoralistes et vous venez de le reconnaître, monsieur. Je pensais que je devrais attendre 3 ans pour que l'on me donne raison. C'est venu au bout de 3 minutes. Au bout de 3 minutes, vous avez dit, mais oui, bien sûr qu'on le fera. Eh bien, voilà. Voilà. Voilà, merci. Je pense qu'on va clore les débats. Alors, je pense qu'on est vraiment, effectivement, dans la boule de cristal, si vous me le permettez, monsieur Merz. Je pense que là, c'est des suppositions. C'est prêter des intentions. Non. Je crois qu'on a trouvé la ville dans une situation difficile. Je pense que les Thionvillois et Thionvillois ne veulent plus de ces débats. Nous savons que la ville était très endettée. Il y a eu une baisse complète des recettes de fonctionnement. Il y a une augmentation des dépenses de fonctionnement. Nous étions dans un effet ciseau. C'est tout bête, je crois, monsieur Merz. Et vous le savez parfaitement qu'on était dans cette situation-là. Il a fallu qu'on augmente les impôts. Est-ce que vous pensez, nous élus, que ça nous fait plaisir d'augmenter les impôts? Pensez-vous une minute que si nous avions cette conception machiavélique que vous nous prêtez, est-ce qu'on aurait augmenté les impôts dont nous-mêmes nous sommes les premières victimes, puisque nous habitons, comme vous le savez très bien, sur Thionville? Nous avons, et Madame Grommerche a tourné dans tous les sens
pour savoir ce qu'on pouvait faire et comment on allait le faire. Et nous avons décidé cette augmentation d'impôts vraiment parce qu'on voyait qu'on ne pouvait pas faire autrement. On le fait, on l'assume. Effectivement, on verra si on arrive à redresser la ville, et nous espérons la redresser dans les 2 à 3 ans pour rétablir en fait la situation financière de cette ville dans les 3 ou 4 ans. Alors, nous parlons pas de Levallois-Perret, on n'est pas Levallois-Perret ici, on est à Thionville, on est des gens responsables. Je ne dis pas que Levallois-Perret ils n'y sont pas. Nous ici, nous sommes des gens responsables. Nous prenons nos engagements, nous prenons nos responsabilités. Nous avons décidé parce qu'on ne pouvait pas faire autrement d'augmenter les impôts. Je vous remercie. Je vous propose qu'on passe donc au vote de ce budget supplémentaire, donc vote des 3, donc budget donc de la ville, eau et centre funéraire. Y a-t-il et petit or, on a parlé aussi petit or. Vote, oui, voilà. Donc, alors on va repartir. Y a-t-il donc en ce qui concerne le budget supplémentaire de la ville, donc exercice 2016, budget ville. Y a-t-il des oppositions? Donc ce point est adopté avec l'opposition. Y a-t-il pour le budget donc supplémentaire annexe de l'eau, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Ce point est adopté à l'unanimité. Sur le budget supplémentaire du centre funéraire, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc ce budget donc supplémentaire est adopté à l'unanimité. Sur le budget supplémentaire annexe lotissement Petite Laure, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Ce point est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Point numéro 21. Monsieur Louis, donc taux de fiscalité. Bien, ainsi que ça a été annoncé lors du débat d'orientation budgétaire, nous vous proposons de faire passer les taux de fiscalité locale pour la taxe d'habitation de 19,52% à 23,5%, pour le foncier bâti de 19,06% à 23%, et pour le foncier non bâti de 80,93% à 84,9%. Bon, je pense que tout a été dit. On va parvenir. Merci. Y a-t-il des oppositions ? Donc, cette augmentation donc, est adoptée à l'unanimité moins donc, les votes de l'opposition qui votent contre. Alors, je voulais simplement dire à M. Atterer que le taux passe à 23,50%. Ce n'est pas une augmentation de 23,50% comme cela a été rapporté. C'est de 20%. C'est une augmentation de 20%. Ce n'est pas de 23,50%. Voilà, 20,67. Voilà. C'était dit. On ne va pas faire la publicité de Facebook. On va pas faire la publicité de Facebook. Mais si on reprend, pour donner quand même une indication quand même aux Thionvilloises et aux Thionvillois, si on compare le taux d'imposition des blocs communaux, c'est-à-dire ville plus communauté d'agglomération. Si on regarde Épinal, qui est vraiment une ville jumelle par rapport à nous, en ce qui concerne les services, en ce qui concerne la population. En ce qui concerne la taxe d'habitation, bloc communal, Épinal, 33,95%. Thionville est à 32,33%. Donc nous sommes en dessous du bloc communal Épinal, des Spinaliens. Et si on regarde la taxe foncière, Épinal est à 27,5% et Thionville est à 24%. Donc nous sommes encore en dessous. Donc je crois qu'effectivement, je le redis, et ça a été véritablement objet de débat dans notre groupe majoritaire. Ça a été difficile d'accepter cette augmentation des impôts, mais nous ne pouvions pas faire autrement. Ça, Madame Gromersch a mis beaucoup de temps à se décider à augmenter cette augmentation des impôts. Donc, qu'elle n'avait d'ailleurs, au cours de la deuxième campagne 2015, elle avait bien dit qu'elle essayerait de tout faire pour ne pas les augmenter, mais elle ne s'était pas engagée à ne pas les augmenter, parce que vous saviez très bien, j'ai lu l'article, je m'excuse de pas de Mme Weiss qui n'est pas là, mais dans l'article de Mme Weiss, il y a quelques semaines, dans son interview, elle disait qu'elle-même, elle ne savait pas, elle a éludé la question de savoir si, en cas d'augmentation des impôts, est-ce qu'elle aurait été favorable. Elle l'a éludé, et c'est éludé, M. Merz, vous savez très bien que vous auriez été exactement dans la même situation vis-à-vis des impôts. Voilà. Donc, on va pas plus loin. Alors, y a-t-il, on va peut-être, y a des interventions? Non, voilà. Donc, y a-t-il opposition? Donc, on l'a dit. Donc, voilà.
tout a été voté. Taux de fiscalité, point numéro 22. Monsieur Schreiber, réalisation d'inscription communale sur une propriété située dans la ZAC du Gassion. Alors, dans le cadre de la vente de terrains à bâtir, la ville de Thionville grève ses parcelles d'une restriction au droit de disposer d'une action résolutoire en garantie de la réalisation des conditions de la vente. Le bâtiment réalisé dans la propriété cadastrée section 62-136 de 83 à 46, situé dans la ZEC du Gassion, a positionné le niveau de la dalle du rez-de-chaussée au-dessous de la côte de crue 69. Cependant, dans le cadre de la révision du PPRI, le niveau de la côte de crue a été rehaussé de 155,50. Il est demandé à l'Assemblée communale de bien vouloir autoriser la radiation des inscriptions grevant cette propriété, compte tenu du fait que le bâtiment, bien que non conforme au permis de construire, se situe de fait au-dessus de la côte de crue du PPRI. Je tiens à rappeler que ça fait déjà le troisième sujet qu'on traite dans la ZAC du Gassion à ce titre-là. Et la dernière en date, c'était la SA d'Iter. Pas d'opposition, pas de remarque, pas d'opposition, pas d'abstention. Ce point est adopté. Point numéro 23, Monsieur Schreiber. Incorporation dans le domaine public communal et modalités financières de réfection du cours de l'âtre de Tassigny. Alors, les différentes réunions de concertation qui se sont déroulées avec l'association de la résidence Médoc, les bailleurs sociaux, les copropriétaires et les habitants ont mis en évidence la nécessité d'une réfection complète et urgente des voiries et réseaux de cours de l'âtre de Tassigny. La convention à conclure dans ce but avec l'association de la résidence Médoc comporte notamment les modalités suivantes. Cession des voiries, réseau espace vert concernée à la ville à l'euro symbolique pour incorporation dans le domaine public communal avant réalisation des travaux, des frais d'arpentage et d'axe seront à la charge de l'association de la résidence Médoc, réalisation des travaux sous maîtrise d'ouvrage et d'œuvre de la ville, y compris pour certaines emprises qui resteront privées dans un souci de rationalité et de pleine cohérence, pour un coût global de l'opération estimé à 1 114 767 euros hors taxes. La participation de la ville se traduira par le biais du budget annexe de la régie de l'eau à hauteur d'un montant maximum de 160 000 euros hors taxes. L'association de la résidence Médoc versera sa participation à la ville dès avant notification des marchés, y compris les frais de maîtrise d'œuvre, à hauteur de 10% du coût des travaux hors taxes. Je tiens à rappeler que ce dossier, c'est un dossier que je connais depuis que je suis arrivé à Thionville, donc depuis 1996. Et puis, on n'a jamais réussi à le résoudre. Je tiens vraiment à remercier notre maire qui a passé un temps fou avec Batigère, les différents propriétaires, les résidents. Et on a enfin trouvé une solution parce que cette rue-là le méritait bien aujourd'hui. Donc le conseil municipal est appelé à valider l'incorporation dans le domaine public communal des voiries, réseaux divers et espaces verts du cours de l'Adde de Tassigny et autoriser Madame le député maire ou son représentant à prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre de cette délibération, dont notamment la signature de la convention figurant en annexe. Pas de remarque. Je vous félicite d'avoir enfin trouvé une solution à ce problème qui était compliqué. Et effectivement, cette rue était dans un état lamentable. On y avait travaillé et je reconnais que c'était compliqué. Donc bravo d'avoir résolu ce problème. Merci, Monsieur Bertz. Alors, donc, vote à l'unanimité, je suppose. Point numéro 24, Monsieur Schreiber, déclassement du domaine public communal de terrain situé à l'angle des rues des Enfants de la Fench et du Maréchal Joffre. Monsieur Schreiber. Alors, le conseil municipal, par délibération du 17 décembre 2015, a autorisé la désaffection et l'ouverture d'une enquête publique réglementaire de déclassement du domaine public communal des terrains cadastrés section 21, numéro 135 et 158, en vue de leur cession à la société Les Lilas. L'enquête publique de déclassement s'est déroulée du 6 au 20 janvier 2016 avec avis favorable du commissaire enquêteur. Je tiens à rappeler que c'est l'opération sur laquelle va se construire, qui se trouve du secteur du Moulin de la Nouvière, dont j'ai parlé tout à l'heure. Le conseil municipal est donc appelé à confirmer la désaffection et décider le déclassement du domaine public communal des terrains cadastrés section 21, numéro 135 et 158,
autoriser Madame le député maire ou son représentant à prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre de cette délibération. Pas de remarque. Je viens rappeler que le prix de cession, il est de 950 222 euros hors taxes pour 14 arts. Donc je reprends, pas de remarque, pas d'opposition, pas d'abstention. Ce point est adopté. Monsieur Christnacker, point numéro 26, installation de concentrateur. GRDF. Non, je l'ai oublié. On va 25. Ah oui, monsieur Schreiber, point numéro 25, extension des locaux de l'Institut Notre-Dame de la Providence. Alors, lors de la séance du 23 novembre 2015, l'Assemblée communale a autorisé le déclassement du domaine public communal d'une surface de terrain d'environ 10 ans à prendre de la parcelle cadastrée 522, numéro 131. En vue de la passation avec l'Institut Notre-Dame de la Providence d'un bail à construction relatif à la réalisation d'une extension de ses locaux dans l'enceinte du stade Jeanne d'Arc. Après établissement du procès verbal d'arpentage, en fait, l'emprise passe de 10 heures à 12 heures 36. Donc, le conseil municipal est appelé à confirmer la désaffection et le déclassement du domaine public communal d'une surface de terrain de 12 heures 36 centièmes, située dans l'enceinte du stade Jeanne d'Arc, autoriser Madame le député maire ou son représentant à prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération. Pas de rôle. D'accord. Donc, votez donc. Ce point est adopté à l'unanimité. Moins 3, moins 4. Moins 4 personnes. Point donc numéro 26, installation de concentrateur GRDF. Monsieur Christnacker. Merci, monsieur Cuny. La société GRDF souhaite moderniser son parc de compteurs de gaz. En fait, c'est de la télérelève. Et cela nécessite la mise en place de concentrateurs agissant par ondes radio sur les toits de quelques bâtiments communaux, parce que ce n'est pas une grosse affaire en l'occurrence. En contrepartie de l'hébergement par la ville de Thionville de ces concentrateurs, GRDF versera une redevance annuelle de 50 euros par antenne. Le conseil municipal est donc appelé à accepter cette implantation et autoriser Madame le député maire à prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en place de cette délibération. Merci Monsieur Christnacker. Pas de remarque particulière, pas d'opposition, pas d'abstention. Ce point est adopté à l'unanimité. Point numéro 28, renouvellement de la convention portant concession précaire et révocable de passage en forêt communale d'une conduite de refoulement d'eau usée. Madame Schneider. Oh ben j'en ai perdu. Alors. Route. Point 27. Ah oui, effectivement. Oui. Donc, point 27, service de distribution d'eau potable, nouvelle obligation en matière de médiation. Monsieur Christnacker. Alors, en fait, il s'agit d'une directive européenne transposée dans notre droit français et qui nécessite, enfin, c'est vraiment une obligation, qui nécessite donc de mettre au point un dispositif de médiation en ce qui concerne les factures d'eau. La FNCCR recommande à ses adhérents, dont la ville de Thionville fait partie, de conclure une convention de partenariat et de prestation avec la médiation de l'eau, qui est une association loi de 1901. Le conseil municipal est appelé à donner son accord à l'adhésion de la ville à la médiation de l'eau aux conditions du présent rapport, c'est-à-dire 500 euros hors taxe pour l'abonnement annuel, 50 euros par saisine, 130 euros par instruction simple et 320 euros pour une instruction complète. Ensuite, le conseil municipal est appelé aussi à prévoir au budget annexe de l'eau les crédits nécessaires à cette adhésion et autoriser Madame le député maire à prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre de cette délibération. Merci, Monsieur Christnacker. Pas de remarques, pas d'opposition, pas d'abstention. Ce point est adopté. Point numéro 28, Madame Schneider. Renouvellement de la convention portant concession précaire et révocable de passage en forêt communale d'une conduite de refoulement d'eau usée. Le premier adjoint. La communauté d'agglomération Porte de France Thionville a implanté en forêt communale un émissaire de refoulement des eaux usées d'une longueur de 1000 mètres linéaires entre les quartiers de Trange et des Langes.
Cette occupation de terrain fait l'objet d'une convention qui arrive à expiration le 31 mai 2016. Il est proposé de réserver une suite favorable à la demande de la communauté d'agglomération Porte de France Thionville tendant au renouvellement de cette convention. Cette convention sera conclue pour une durée de 9 ans, moyennant le paiement par la Comme d'Aglo d'une redevance annuelle de 210 euros. Merci. Merci, Madame Schneider. Pas de remarques particulières, pas d'opposition, pas d'abstention. Ce point est adopté. Point numéro 29, Madame Schneider, gestion de la forêt communale, travaux sylvicoles. Donc chaque année, l'ONF, l'Office national des forêts, soumet à l'approbation de l'Assemblée communale le programme des travaux sylvicoles indispensables pour assurer la pérennité des massifs forestiers. Il s'agit en l'occurrence de travaux d'abattage, de broyage pour assurer la régénération naturelle, de plantation de mélèzes, de poses de protection contre le gibier. Pour l'année 2016, le coût de ces travaux est estimé à 9 460,68 euros hors taxes, soit 10 696,55 TTC. Je vous remercie. Merci. D'accord. Oui. Merci. Y a-t-il des remarques ? Opposition ? Pas d'abstention ? Donc ce point est adopté à l'unanimité. Mesdames, Messieurs, donc ce conseil municipal est terminé. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Je vous remercie de la teneur des échanges de ce soir, qui ont été faits bien sûr avec parfois vigueur, mais aussi avec qualité. Je vous demande de rester en place, puisqu'il y a les parapheurs qui sont en train de circuler pour les signatures du budget.